Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans la ville berceau du Sport Boule. On est à Lyon pour deux jours pour la troisième étape de la Ligue Sport Boule, les mains dans le boulodrome des Canuts à Lyon-Croix-Rousse, pour vous faire vivre donc ce championnat qui oppose les 16 meilleures cadrettes de France. Et pour commenter ce soir, on est en très 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 bonne compagnie avec Floriane Amar qui nous rejoint. Bonsoir, bonsoir Floriane. Bonsoir. Très merci heureux de vous retrouver. Ça y est, on vous l'avait dit, on vous l'avait annoncé cette année, la team de consultants est très importante. Elle est de très très grande qualité avec également Nathalie Bernard. Salut évidemment tout ça. Floriane, merci de faire vos grands débuts ce soir dans cette Ligue Sport Boule. On est très heureux de vous avoir. On va rappeler votre magnifique année 2023, championne du monde. Vous détenez ce premier titre de championne du monde mixte avec un joueur qui est sur le terrain, hein, ouais, pas très loin de nous. Exactement, avec Guillaume Abelfaux. Championne du monde et également ce record du monde qu'on a eu l'occasion de commenter sur les terrains de Saint-Villebois. On est très content de vous avoir avec merci. Nous. Moi Floriane, aussi. On sait que vous connaissez très bien ce boulodrome également de Lyon-Croix-Rousse. On est très content également d'être avec Jean-Claude Ferriol qui est fidèle à cette Ligue Sport Boule les mains depuis maintenant deux ans. Hein, Jean-Claude, hein, vous étiez présent déjà la saison dernière et très heureux, on l'imagine également, d'être au micro, au commentaire ce soir dans cette magnifique ville de Lyon que vous adorez. On l'adore effectivement et comme vous le dites Cyril, c'est un plaisir de partager votre micro avec la présence de Floriane Amar bien entendu, c'est du bonheur, on va prendre beaucoup de plaisir notamment à commenter les parties du soir. Oui, et on a une très belle affiche à vous proposer ce soir puisque dans quelques instants vous allez pouvoir assister au duel entre Lyon, l'équipe de Xavier Majorel qui sera opposée à celle de Nice. De Didier Abrat, on va, si vous voulez bien, s'offrir un petit rafraîchissement. On va voir le classement, tout simplement, de cette Ligue Sport Boule les mains après deux étapes, puisque ce soir, avant ces premiers matchs, Annecy et Plaine de Lain se partagent la première place, 40 points. Pour ces deux formations, Saint-Vulbas n'est pas très loin, double finaliste, Saint-Vulbas avec 32 points, la Motte Servolex également et Nice, vous le voyez, qui sont à l'affût, tout comme Maurienne Galibier. Puis un premier écart hein, avec Genelard, le tenant du titre, avec 16 points, Fontaine qui est également dans cette première partie, puis dans la seconde partie, on retrouve Lyon, Bourg-Saint-Andéol, la Côte-Saint-André, Lagnieu, Aix-les-Bains et puis Génissieux, et deux équipes qui vont essayer d'aller chercher leur premier point ce week-end, Joyeuse et Bon, voilà pour le classement général. On va regarder Floriane et Jean-Claude, et bien tout simplement le programme de cette première soirée avec notamment ce magnifique groupe 4 Floriane avec cette partie entre Lyon-Nice mais aussi ce duel qui va opposer à côté de nous Plaine de Lain face à Annecy. Oui, ce groupe 4 que j'aurais qualifié de groupe de la mort quand j'ai vu le tirage. On a parmi pour moi les 3-4 équipes favorites qui se retrouvent dans le même groupe. Voilà, c'est le hasard du tirage, mais c'est aussi ce qui fait la beauté et des belles confrontations à venir. Et Jean-Claude, on aura l'occasion hein, nous également de commenter demain matin les deux promus, hein, Génissieux et Lagneux, qui vont également essayer d'aller marquer des points. C'est pas facile hein, pour les promus, pour ces deux promus-là, parce que l'autre promu, eh bien, c'est Plaine de Lain qui a remporté tout simplement la dernière étape. Oui, ils ont malgré tout commencé de belle manière. On a Christophe Virel, l'équipe Christophe Virel Lagneux qui a remporté deux parties déjà sur ces deux premières étapes. Et effectivement, on a l'équipe après de Plaine de Lain. De Plaine de Lain, non, de Génissieux. De Génissieux également, oui. Nous allons commenter demain. Qui, elle, est à la recherche effectivement d'un peu plus de rythme dans cette compétition. Ils viennent de rentrer sur cette Ligue M1. Et il faut tout de suite un petit peu plus de temps de jeu pour pouvoir attraper le niveau qui nous est présenté aujourd'hui, qui est vraiment très très relevé, on le dit depuis le début de saison. Alors c'est Orange, vous les voyez, on va dans quelques instants lancer hein, ces premières parties. Un petit mot Floriane sur ce week-end magnifique à Lyon, dans la plus belle ville du monde. On va avoir évidemment l'occasion de parler de la Ligue M1. Il y aura également la Ligue F1 dimanche. Exact. Vous serez d'ailleurs sur les terrains cette fois-ci. C'est ça, je serai de l'autre côté. C'est bien hein, que quand les garçons et les filles ouais. sont sur le même site pendant un week-end. Ouais, c'est génial d'arriver à regrouper ces deux compétitions qui sont celles de haut niveau dans notre sport, que ce soit les filles ou les garçons. Et du coup, c'est chouette de pouvoir mutualiser et de faire croiser les filles et les garçons. Donc on vous invite évidemment à venir au boulodrome des Canuts dès ce soir, dès demain pour cette magnifique journée, également dimanche avec cette grande journée de la Ligue F1. Vous aurez l'occasion de voir les plus belles doublettes de France. Je crois que ça se passe plutôt bien pour votre équipe
Florian, puisque vous êtes en tête. On rappelle que vous êtes également championne en titre de cette Ligue F1 avec votre grande amie. Avec ma grande complice, ma grande amie Brune Lenoblet. L'année dernière, on a remporté effectivement la Ligue F1. Et puis cette année, on n'est pas trop mal parti, puisqu'on, pour l'instant, on a gagné 3 étapes sur 4. Et donc à suivre, ce sera dimanche pour la Ligue F1. Un petit mot, allez Florian, on va commencer par la composition d'équipe, puisqu'on va lancer cette partie entre les oranges de Lyon et les rouges et noirs de Nice. On va commencer par la composition lyonnaise. Oui, alors la composition lyonnaise, des joueurs qui jouent effectivement club sportif ici, donc logiquement alignés, j'ai envie de dire, ce soir, avec Fabien Hamard, Xavier Majorel, Eddy Chemarin et Patrick Alcaraz. C'est un classique. Oui, et les joueurs, donc de Nice. Et côté de Nice, on aura donc Sébastien Léva-Marcon, légèrement affaibli, j'ai envie de dire, parce qu'il a une petite blessure à la cheville. On retrouvera Romain Garcia, Manu Billon et Sébastien Bellet. Et on va rappeler, vous nous avez donné cette info, Jean-Claude Ferriol, juste avant notre prise d'antenne, l'absence de Fred Asensi, qui était le meilleur pointeur de la Ligue Sport Boulema avant que cette troisième étape, et qui est forfait sans doute pour le reste de la saison. Oui, malheureusement, il faut avoir une grosse blessure qui est au niveau des ligaments, donc une opération est en vue, programmée pour la fin du mois, donc ça risque de prendre un petit peu de temps dans le rétablissement. On lui souhaite le meilleur pour revenir au plus vite. On salue Frédéric Asensi, oui. On avait pourtant fait un pari avec lui, c'était de l'interviewer cette année, oui. Durant cette Ligue Sport Boulema. Il nous avait dit que c'était pas possible. On espère qu'on aura l'occasion quand même de le croiser. On lui souhaite un très bon rétablissement au président du club de Balaruc-les-Bains. Il va sans doute suivre ce soir, comme vous tous, cette Ligue Sport Boulemain sur les réseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux. On vous remercie à suivre en direct cette compétition qui donc rassemble les 16 meilleures cadrettes de France. Et ce soir, vous êtes servis avec cette affiche entre Lyon et Nice. Deux équipes qui ont d'ailleurs échangé leurs couleurs à l'intersaison. Hein, puisque Lyon a retrouvé les couleurs de l'Acro Lyon. Oui, les couleurs légendaires de l'Acro. Ouais. Orange. Et Nice a également retrouvé les couleurs de l'OGC Nice, hein, sponsor de l'équipe, les rouges et noirs. Et puis évidemment, on vous tiendra au courant de l'évolution. Vous pourrez d'ailleurs suivre l'évolution de tous les scores sur ces petits résultats qui sont en haut de votre écran, qui vous permettront notamment de suivre le duel entre les deux premiers du classement, Plaine de l'Ain et Annecy. Allez, avec Manu Billon. On rappelle également, Florian, il y a eu un gros travail de fait cette semaine par tous les bénévoles, tous les membres du club de l'Acro Lyon pour refaire les jeux, tout simplement pour cette compétition. Oui, effectivement, chaque fois qu'il y a une belle compétition, l'équipe de l'Acro Lyon a à cœur de proposer des beaux jeux, un boulodrome agréable, que ce soit pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs. Donc voilà, je salue le travail qui a été fait en peu de temps. Et effectivement, tous les jeux ont été refait, le sable tamisé pour que voilà, ça soit le plus agréable possible pour les joueurs. À mon avis, c'est pas facile avec Manu Billon, Jean-Claude. Non, effectivement. Alors le toast a été gagné par l'équipe de l'Acro. Donc Fabien a défendu sa boule sur le côté. On voit que la boule est bien jouée. Elle est restée pendue à 70 cm sur la gauche. Le jeu pense énormément. On le voit sur la boule de Manu qui verse rapidement. C'est pour ces raisons qu'ils essaient de tenir le jeu un petit peu plus haut, ce qui n'est pas facile. Reprise de Manu à l'instant là sur sa seconde boule. Oui, les jeux externes sur les boulodromes sont rarement joués, sont moins joués que les autres habituellement, donc ils sont toujours un petit peu plus techniques, un peu plus compliqués. Et vous avez raison de le signaler, Florian. C'est vrai que les extérieurs, que ce soit le jeu 8 ou le jeu 1, sont toujours beaucoup plus délicats à jouer. Allez, Fabien Hamard qui va essayer de reprendre pour l'équipe lyonnaise. Donc seconde boule pour Fabien. Avec une première boule qui avait la distance mais qui n'était pas tout à fait dans la bonne direction. Celle-ci, là, j'étais vraiment droite au but. On va voir comment elle se dirige. Elle est restée droite. Elle est mieux présentée, ouais. Ah, elle est jetée magnifiquement bien, celle-ci. Et elle a repris Fabien Hamard qui avait été l'une des bonnes satisfactions lyonnaises du côté de Saint-Vulbas lors de la deuxième étape avec 82% au point, 28 sur 34. Et 16 prises d'affilée. Il y avait également Eddy Chemarin qui avait été également à son avantage à Saint-Vulbas avec un joli 14 sur 17 et 2 sur 3 au tir au but. Les Lyonnais qui savent évidemment, vous avez pu le lire sur les réseaux sociaux de la Ligue, que cette partie est importante. Xavier Majorel l'a dit, une défaite ce soir quasiment nous éliminerait de la course
aux demi-finales. Cette première partie, elle va être sans doute déterminante pour aller chercher cette première place dans un groupe qualifié en effet de groupe de la mort, avec ces deux autres adversaires qui s'affrontent sur le terrain voisin, à savoir les blancs et noirs d'Annecy et les bleus ciel de la plaine de l'Ain. Sébastien Meulet, donc, qui joue la troisième boule pour l'équipe de Nice, qui, contrairement à Fabien, vous l'avez vu, il s'est calé carrément sur la ligne et il n'a pas suivi le jeu que Fabien avait mis. Du coup, ça, il échappe le jeu. Ah, il va falloir se faire à ce jeu du côté des Niçois. Et Sébastien Léva-Marcon, qui va partir au tir, on le rappelait, vous le rappeliez tout à l'heure, blessé à la cheville. Sébastien Léva-Marcon, qui est le meilleur tireur pour le moment de la compétition. Sébastien Léva-Marcon avec 86% des réussites, 111 sur 28. On va voir d'entrée s'il est au rendez-vous, Sébastien. 111 sur 128, effectivement. C'est une première boule juste franchie. Il était droit, Sébastien, mais juste un peu franchi. Après, s'il est un peu blessé, ça, voilà, ça peut être compliqué. Il a peut-être un peu d'appréhension aussi de s'appuyer sur le pied. Donc, on va voir si en chauffant, peut-être, ça, il prend un peu ses marques. C'est ce qu'on a pu voir. Hein. D'ailleurs, sa course n'était pas affirmée. Moins fluide, hein. Moins fluide, voilà, qu'avant. Ouais. Et il n'a pas d'ailleurs poursuivi son effort. Dès que la boule a été lâchée, crac, il a vraiment relâché parce qu'il est inquiet. On le sent un petit peu là. Alors, je ne sais pas s'il y a des possibilités de changement du côté niçois. Ils sont venus à 5. Mais Didier Abrat ne pourra pas prendre le poste de tireur. La possibilité, c'est que Sébastien Belay prenne le tir. Il y a quand même des possibilités du côté des Azuréens. Et cette fois-ci, elle est touchée. C'est réussi pour Sébastien. On voit que ça grimace un petit peu quand même. Mais bon, c'est réussi. Et il va s'accrocher évidemment, Sébastien Léva-Marcon, qui nous a régalé lors des deux premières étapes dans cette équipe niçoise. On les attend évidemment, hein, les rouges et noirs sur cette étape. Ils ont été plutôt intéressants lors des deux premières étapes. On va rappeler leur parcours avec notamment une demi-finale lors de la première étape à Mâcon et puis une deuxième place de groupe à Saint-Vulbas, avec seulement pour l'instant deux seules défaites pour les Niçois en 8 matchs. Cependant, attention, on peut le voir là sur l'entame de partie, l'équipe de Nice est en retard. Hein. C'est simplement la troisième boule de jouer pour l'Acro Lyon. Et là, il va falloir déjà prendre les bonnes décisions. Sérénité de Xavier Majorel pour reprendre le point. Alors on fait partir Romain tout de suite là pour peut-être un peu se mettre en un tour de chauffe, et si malheureusement il y a une faute, eh bien on essaiera d'aller chasser ce but. On le rappelle à chaque fois, hein, cette petite bandelette blanche matérialise le 50, donc le tireur doit tomber à l'intérieur du 50 pour que le coup soit validé, exactement. Comme ici, avec chaussettes pour Romain Garcia. Romain Garcia, et cette boule, est-ce qu'elle va rester dans l'air de jeu? Oui, elle va être valable encore, carreau allongé pour Romain Garcia. Ah, ils ont énormément de possibilités, hein, les Niçois, dans cette composition d'équipe, dans cet effectif, même si on le rappelle, Frédéric Asensi est forfait après s'être blessé au genou gravement au ligament croisé. Il reste quand même sacrée force de frappe avec des joueurs très polyvalents. C'est un boule 2, hein, attention. Si Xavier se trouve de reprendre, là il faudra prendre les bonnes décisions pour Nice. Oui, une première main déjà qui est compliquée pour Nice. Ah, c'est bien joué Xavier. Ouais, belle distance, belle direction, bravo. Et c'est repris pour Xavier Majorel. On comprend pourquoi il est mutamisé les jeux cette semaine. En fait. Et oui, on est tout de suite au but en fait. Hein. Il faut absolument annuler la dynamique de l'adversaire. Et là, Romain. Oui, c'est logique. C'est logique de prendre cette décision. Pas prendre un gros coup d'entrée de partie. Romain Garcia, qui avait été à 3 sur 3 au tir au but lors de la première étape à Mâcon. On va le suivre, Romain Garcia, évidemment, dans cet exercice qu'il affectionne, où il est souvent efficace.
Et il lance de belles manières, son week-end. Et bien rentré dans sa partie, ouais. Romain. Avec cette première annulation. Et on va rester là, à l'issue de cette première main. Les Niçois qui ont bien défendu. Ils étaient malmenés là par les Oranges de Lyon. Mais on le revoit sur cette magnifique annulation de Romain Garcia. On va rester à 0-0 dans cette rencontre entre les Rouges et Noirs de Nice et les Oranges de Lyon qui s'affrontent pour la première fois de la saison. Il y avait eu deux confrontations la saison dernière entre les deux formations, un partout à Dardilly. Lors de la troisième étape, c'était les Niçois qui s'étaient imposés 9-7. Et à Davézieux, lors de l'étape finale, Lyon s'était imposé 13-3. Et à chaque fois que Lyon a affronté la saison dernière Nice en match de poule, Lyon est sorti de son groupe. Voilà le but qu'on retrouve sensiblement à la même distance, à la même place, plein centre du terrain. Et vous le voyez sur les autres jeux, pour l'instant, on est toujours à 0-0. Personne n'a lancé encore les hostilités dans cette troisième étape. Allez, c'est lancé pour Fabien Amar. Il avait trouvé la bonne direction un petit peu derrière, mais c'est magnifique là. Ça reste une jolie boule, ouais, quand même. Pour lancer cette deuxième main. Après, c'est vrai que les boules comme ça, légèrement derrière, on s'expose à prendre un appui ou une boule qui vient nous embêter un petit peu, mais ça reste une belle boule quand même et dure à reprendre. Et c'est Manu Bilon qui va justement essayer de reprendre l'avantage. C'est bien envoyé, c'est peut-être c'est trop fort. C'est trop fort. Un petit peu fort, ouais, pour Manu Bilon. Le petit tour de trop qui l'empêche de faire la reprise. On va laisser jouer sur le terrain voisin Jérémy Micou. Elle est intéressante, hein, également cette partie entre Annecy et Plaine de Lain. On va voir si l'équipe de la Plaine de Lain arrive à confirmer, hein, parce que évidemment c'est magnifique d'aller chercher cette première victoire d'étape, mais évidemment les joueurs de la team vont être très attendus. Il va falloir confirmer. Deuxième boule pour Manu Bilon. Qui semble prendre un petit peu le même chemin et pencher un petit peu aussi sur le terrain. La distance était belle. Je pense qu'on va peut-être tenter. Cette boule a peut-être repris, on va mesurer. On va rappeler le nom des arbitres ce week-end. Jean-Claude Ferriol. Avec deux arbitres lyonnais, hein, qui seront présents. Oui, alors effectivement, on a Jean-François Frachon, qui fait partie de la Rhône, du Ligue Rhône, et on a également Denis Dacosta, également du comité du Rhône, tous les deux arbitres nationaux. Voilà, remerciements en tout cas également aux arbitres, hein, Florian, qui sont présents. Sans arbitre, il n'y a pas de compétition, il faut le rappeler, donc voilà, on les salue. Fonction assez ingrate, toujours, hein, l'arbitrage. Mais il en faut, oui. Sinon on n'a pas de compétition, donc on les salue. Et première boule au tir de Patrick Alcaraz, qui est un petit peu bas, malheureusement. Voilà, faut rentrer dans sa partie, c'est jamais évident, hein, première partie du soir, on le sait. Allez, seconde tentative à venir pour Patrick Alcaraz, qui avait fait un 23-29 à Mâcon au tir. Ouais, ça semble mieux. Bravo Patrick. Et bien premier rectifié. Score important, hein, pour
Annecy qui a ouvert le score sur le terrain numéro 7, qui mène 4-0 face à la plaine de l'Ain. 4 points cadrés, c'est une très jolie mène. Donc voilà, un bon démarrage pour Annecy, comme ils ont l'habitude de le faire. On a marqué également des points entre Maurienne Galibier et la Côte-Saint-André qui a ouvert le score 3-0 et Bourg-Saint-Andéol également qui mène 3-0 face à Bron. Saint-Vulbas, double finaliste dans l'épreuve, qui mène 2-0 face à Joyeuse. Et la Motte Servolex qui mène 2-0 face à Lagneux. Voilà pour les premières parties où les scores ont été ouverts. Et on va suivre ce troisième tir de Sébastien Léva-Marcon. Superbe triage, hein, bravo. Sur une demi-jambe, là, il s'en sort pas si mal. On a du talent, on s'adapte. Magnifique équilibre. Parfaite, sans toucher celle de Manu Bilon qui est à côté. Donc, superbe tir. Validé par également toute la team d'Annecy qui a applaudi des yeux. Il y a encore du public, c'est bien encore. Hein. Il y a du monde ce soir. On le savait l'année dernière, cette étape de Lyon-Croix-Rousse a été une grande réussite. On est très très heureux de revenir ici au Boulodrome des Canuts. Les Lyonnais aiment le sport boule évidemment. Et ils sont présents ce soir. N'hésitez pas également à venir demain pour cette magnifique journée. Et dimanche aussi pour la Ligue F1. C'est dommage, Fabien ne prend pas. On l'a vu à la sortie de main, il l'avait gardé un petit peu. Elle est restée sur le fil à gauche. Elle n'a pas pris le même chemin celle-là. Et en plus, il était un petit peu fort. Ouais, légèrement trop gardé. Et Xavier Majorel qui va prendre la suite, non? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Fabien joue deux fois. Cinquième boule qui va monter pour l'équipe de l'Acro. On est boule à boule hein, pour l'instant. Hein. Avec Xavier Majorel qui prend son temps, qui laisse tirer Mathieu Verchet à côté, effectivement, sur le jeu voisin. Le roi des carreaux. Ah, c'est vrai qu'il nous avait impressionnés. Il nous a régalé hein, en finale. Magnifique performance. Ces quatre carreaux. Il y a évidemment la relève hein, dans plusieurs équipes. On aura l'occasion, on a beaucoup parlé de Mathieu Verchet hein, depuis le début de la compétition, mais il y a d'autres jeunes. Qui pousse d'autres jeunes visages également dans cette Ligue Sport Boule et Main. On aura l'occasion de vous les présenter. Et la boule de Xavier hein, qui a pris effectivement encore cette balle qu'on voit sur le terrain. Voilà, jeu qui n'a pas l'air si évident que ça. Hein. Ça. Ah, ils sont beaux de l'extérieur, mais tant qu'on ne joue pas dessus, on ne se rend pas compte. Et du coup, Xavier décide logiquement de changer le jeu et d'essayer de découper un peu plus. Sous les yeux de Jean-Luc Bertrand, le sponsor de l'équipe qui est en tribune. On salue aussi, qui a rejoint l'équipe, hein, qui fait partie des deux recrues. Jean-Luc Bertrand qui était la saison dernière avec Romain Garcia, Ballaru Clébin et Fred Asensi. Il fait partie des deux recrues avec Sylvain Biondi aussi. Ouais, celle-là, elle est mieux repris. Jouée, la boule de Xavier. Belle direction, on l'a vu, belle distance. Tout de suite, on a vu, ouais. Il s'est calé directement, il est monté un peu plus hein, pour ne pas prendre la balle mais se faire emporter. Donc, il a bien rectifié. Donc, et Genelard a ouvert le score face à Génicieux. 3-0 pour les anciens de la métropole de Lyon. Les tenants du titre, qui pour la plupart jouent également à domicile, Florian. Oui, effectivement, l'équipe de Sébastien Graille. Vous étiez en train de boire, c'est ça? J'étais concentrée sur autre chose, je suis désolée. Désolée. Effectivement, l'équipe de Sébastien Graille, dans l'équipe, tous sont actuellement à l'accro ou tous ont joué à l'accro, donc sont un petit peu à domicile. Puis en plus, ils avaient gagné l'étape l'année dernière, donc ils doivent être à l'aise sur ces jeux. On aura tout à l'heure Sébastien Graille qui viendra nous parler. Sébastien Graille qui ne joue pas ce week-end puisqu'il est à l'organisation. Il s'est sacrifié. Oui, il en faut. Et on revoit toujours Sébastien Léva-Marcon sur une jambe et demie qui nous régale. Qui s'en sort pas si mal que ça, malgré sa blessure. Ouais, mais on voit quand il lâche, on voit qu'il relâche tout de suite son effort pour essayer de moins s'appuyer sur son pied.
Est-ce qu'il va pouvoir tenir tout le week-end comme ça, Sébastien? Évidemment, on le sait que ces étapes de la Ligue Sport Boulémain, on le répète, mais c'est un vrai marathon. C'est un marathon également en F1 aussi, hein, avec les 5 matchs. On enchaîne les parties. Il n'y a pas beaucoup de temps de repos entre les parties. J'espère qu'il ne va pas aggraver sa blessure. Boule importante là pour Kevin. Pour Eddy, Marin, qui a couvert ce but là, malheureusement. Après, pas évident pour Eddy de commencer sa première boule sur un but d'annulation, c'est jamais évident. Eddy qui était à 2 sur 3 hein, en annulation tir au but lors de l'étape précédente à Saint-Vulbas, qui va avoir une seconde boule à jouer, mais vous le voyez, avantage à Nice hein, dans cette deuxième main. Main inversée par rapport à la première main qu'on a suivie. Cette fois, c'est les Lyonnais qui sont un peu plus en difficulté. Il leur reste deux boules à bien négocier pour essayer de ne pas prendre la mauvaise main d'entrée. Aix-les-Bains qui mène à 0 face à Fontaine. Il dit qu'il a choisi de se placer au même endroit que Xavier, hein, plutôt logiquement. Par contre, il semble un petit peu fort. Ouais, c'est dommage, il avait la belle direction, mais il est un petit peu fort. On sent l'expérience là, tout de suite. Là, par contre, attention, 4 boules en main pour Nice, ça peut faire cher tout de suite. Hein. Oui, ça peut faire très mal. À ce niveau-là. Quand on sait la qualité des joueurs, ça peut faire mal. Et là, pour le coup, c'est un peu pareil. On voit que Sébastien Belet va se présenter un peu sur le fil de gauche, comme l'avait fait Xavier Majorelle tout à l'heure, qui paraît être l'emplacement le plus confortable pour arriver au but. Oui, après, les joueurs arrivent bien à lire les balles, à lire les jeux. Et du coup, voilà, ils ont vu que ce côté à droite du terrain est plus facile que de croiser dans l'autre sens. Complètement, oui. Là, ça y est, ils ont compris la trajectoire et ils vont essayer de la répéter. C'est ça. Greg Schira au tir sur le jeu voisin. Vous l'avez vu, Greg Schira, lui aussi aligne les tirs. Réussi, notre meilleur tireur de la saison précédente. Elle va compter cette boule. Oui, ça compte. La belle distance pour Sébastien Belet. Quand on a la distance, on n'est jamais loin de toute façon. Donc voilà, une boule qui est jouée à la perfection pour faire la boule d'ajout. Ah, la petite doudoune hein, pour Sébastien Belet. Peut-être que l'air niçois, déjà azuréen, est pas habitué à l'humidité de Lyon. Allez, deuxième boule pour Sébastien Belet, qui, on le rappelle, avait été sacré dans cette Ligue Sport Boulémain. C'était lors de la première saison, même si celle-ci avait été écourtée par le Covid. C'était sous les couleurs orange de Rumilly à l'époque, l'équipe de Xavier Chalamel. Elle a pris le même chemin, cette boule. Exactement même endroit. Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait déjà 3 points dans l'escarcelle de Nice. Et il reste deux boules à Romain Garcia. Ouais. Que vous avez connu hein, également, Floriane, qui était avec vous en équipe de France cette année. Dans cette Ouais, on a partagé le championnat du monde mixte cette année à Rumilly. Et puis j'avais eu la chance aussi de jouer, parce que c'est une chance de jouer avec des joueurs comme ça. J'avais fait un championnat du monde double mixte avec Romain et on s'était incliné en quart de finale d'un petit point contre l'Algérie. Et c'est un super coéquipier et pour jouer avec une fille, il est top aussi. Donc voilà, je salue Romain au passage qui en plus montre qu'il est aussi bon au tir qu'au point et il ajoute une boule en faisant presque biberon. Et vous avez dit bonjour, regardez, avec cette première boule aussi pareil pour vous saluer et saluer également nos nombreux... spectateurs, téléspectateurs, internautes qui nous suivent sur les différents canaux, que ce soit sur les sites internet de la Ligue Sport Boulémain, de la Fédération Française de Sport Boule, sur les Facebook, Instagram et Twitch. Je sais que Jean-Claude Ferriol, vous êtes un grand fidèle de Twitch. Hein, c'est un média que vous connaissez bien. Oui, mais pas que. Non. Mais ce qu'on peut dire, une petite aparté malgré tout, c'est qu'on remercie effectivement tous ceux qui sont derrière leur écran. Les connexions sont de plus en plus nombreuses, donc c'est important de le dire et c'est toujours important de remercier ceux qui ça nous suivent finalement. Et Nice a fait une belle radia, hein, je crois, lors de cette deuxième main. C'est 4 ou 5
Alors, à confirmer, parce que Romain, sa deuxième boule était légèrement forte et a touché un petit peu le but. Donc, on va voir quand les joueurs vont mettre à jour le score. Voilà, on revoit le ralenti. Il a touché un petit peu le but. Donc, est-ce que ça a eu une incidence ou pas? Je ne pense pas. Et du coup, c'est bien 4 points pour l'équipe de Nice. 4 points pour Nice qui attaque fort. Nice face à Lyon. 4-0, c'est également le score entre Annecy et la plaine de l'Ain. Vous voyez que Saint-Vulbas mène 2-0 face à Joyeuse Aix-les-Bains, mène 1-0 face à Fontaine, la Motte Servolex, 2-0 face à Lagneux, Genlard 3-0 face à Génissieux, Bourg-Saint-Andéol 3-0 face à Bron, et la Côte-Saint-André 3-0 face à Maurienne-Galibier. On a ouvert le score sur les 8 jeux du Boulodrome des Canuts à Lyon-Croix-Rousse. Et vous entendez évidemment la voix de notre fidèle speaker Marc-Alexandre que vous retrouverez demain à 9h pour son café croissant. C'est un rendez-vous. Vous y serez, Jean-Claude Ferriol, évidemment, hein, pour commenter cette rencontre demain matin pendant que Florian Amar tranquillement fera la grasse matinée pour nous retrouver pour la troisième partie de groupe. Mais on vous l'accorde, cette grasse mat, parce qu'on sait que vous allez avoir une grande oui, et longue dimanche, journée. Dimanche, il faut que je sois en forme. Dimanche, alors, vous me préservez, c'est gentil. Nathalie Bernard n'a pas le même traitement. Hein. Parce qu'elle joue pas en F1 encore. Et une première boule d'engagement réussie pour Manu Billon, qui envoie Patrick Alcaraz au tir. Alors on va laisser tirer Marco Bejakovic d'abord, le joueur de Fontaine. Et là, c'est encore un peu court pour Patrick Alcaraz, malheureusement. Un petit peu bas pour Patrick. Il n'a pas encore réglé la mire en ce début de partie. Voilà, on est sur une distance pas très éloignée. On est à 13 mètres 50 à peu près. Et vous le voyez, en effet, cette petite bandelle blanche dont nous parlait Jean-Claude Ferriol tout à l'heure. Oui. Ouais, c'est réussi cette fois pour Patrick qui rectifie. Et on prend déjà voilà, une petite boule de retard pour l'équipe de Lyon. Bourg-Saint-Andéol 5-0 désormais face à Bron. On rappelle que Bron et Joyeuse sont à la recherche lors de cette troisième étape de leur premier point. Ils restent pour l'instant sur 6 défaites. Et on le sait, hein, le niveau est très élevé, ça va très vite. Jean-Claude, on est déjà à la troisième étape. Oui, il est temps de marquer des points, effectivement. La troisième étape, les deux premières n'ont pas marqué pour Joyeuse et pour Bron. Donc je pense qu'ils ont à cœur de refaire un peu ce retard. Mais comme vous le dites, le niveau est tellement élevé que la moindre boule compte à chaque fois. C'est toujours délicat. Il va falloir encore élever son niveau. Ouais, une deuxième boule de Manu Billon qui est plus que correcte. Hein. Qui est une boule qui est devant, qui va compter forcément dans cette main. Allez, on va laisser tirer Mathieu Vercher sur le jeu numéro 7. Et c'est bien rectifié aussi pour Mathieu. Et du coup, on va suivre la deuxième boule au tir des 10 dans cette partie. Une boule à 12,50 m à peu près. Et du chemin. Ouais, c'est réussi. Bravo Eddy. Et son carreau qui sort juste du terrain. Ouais, pour lui. Mais le tir est réussi, c'est le principal. On revoit le tir d'Eddy Chemin. Et le jeu est libre et vide pour laisser Sébastien Belay toujours aussi tranquille. Hein, Sébastien.
Là, c'est bien envoyé. C'est bien envoyé, c'est réussi. Il a la belle distance. Boule qui tombe un petit peu sur la droite, mais en tout cas, il a la belle distance. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on a la distance, c'est toujours des belles boules et des boules qui comptent dans la main. Et Génard qui est en train de mener 6-0 désormais face à Génicieux. Beaucoup de scores qui sont quand même déjà assez larges, avec la mode Servelex également qui mène 5-0 face à Lagneux, les deux promus, Génicieux et Lagneux, qui sont en difficulté. Et puis Joyeuse qui a réduit le score face à Saint-Vulbas, qui n'est plus mené que 2-1, et match nul pour l'instant entre Fontaine et Aix-les-Bains. Ah, donc on va suivre la tentative de reprise de Fabien Amar, qui lui a changé de jeu par rapport à Sébastien Belay. Il a croisé complètement le jeu. Je suppose qu'il allait essayer à l'entraînement. La direction est belle, un petit peu fort. Ça va peut-être suffire pour la reprise. Oui, oui. Oui, c'est fait. C'est fait. Le fait de bousculer un tout petit peu le but lui a donné la reprise. Donc il a trouvé la bonne direction. Il va falloir régler un petit peu la distance maintenant. Mais bon, voilà, le job est fait. Greg Chira au tir pour Annecy. Greg Chira qui n'a pas souvent besoin du 50. Hein. Là, on les sent déterminés, les joueurs d'Annecy. N'ont pu se qualifier pour pas grand chose hein, lors de l'étape précédente. Ils ne sont pas sortis des poules, ça s'est joué au goal average. Effectivement, ça s'est joué à quelques points. Et puis là, de surcroît, on a les deux équipes en tête. Donc celui qui aura la chance de l'emporter ce soir aura une belle option malgré tout. Avec Jérôme Benoît hein, qui revient petit à petit, qui avait été blessé lors de la première étape à Mâcon, qui avait joué quelques boules. À Saint-Vulbas, 3-4 boules et qui aujourd'hui est dans l'équipe de départ. C'est une bonne nouvelle pour lui, c'est une bonne nouvelle pour Annecy, puis c'est une bonne nouvelle pour la Ligue Sport Boules et Mains, hein, puisque c'est l'un des meilleurs pointeurs de la compétition, Jérôme Benoît. Exact, alors que c'est repris là pour Sébastien Belay. Sébastien Belay, du coup, qui a pris le même jeu que Fabien et qui réussit parfaitement sa boule. Il se copie. Hein, quel copieur, ce Sébastien Belay. C'est jouer avec intelligence. La main précédente, c'était pareil. Ils se sont collés tous les. Ils vont se suivre, je crois. Ils s'adorent, donc ils vont se suivre un peu toute la partie. Allez, Di Chemarin au tir. Là, on va surtout pas passer au contre. Hein. Il faut la boxer encore celle-là. Ouais, c'est bien réussi encore pour Eddy. Bravo. On a aperçu dans les tribunes Didier Abrat. Pas très loin. Qui veille au grain. Ouais. Abrat à côté de Jean-Luc Bertrand en tribune. Donc petite boule d'avance pour l'instant pour Nice. Est-ce qu'ils vont la mettre à profit? Voilà, et Romain, bien que gaucher, choisit quand même le même jeu. C'est bien envoyé. Hein. Elle prend le bon chemin, la boule de Romain. Ouais, voilà, c'est réussi. Par Manu Bilon. Ouais, c'est réussi, c'est une belle boule. Et puis en plus, elle est presque alignée à celle de Lyon. Donc ça les met en danger à chaque fois. À Nice, on disait qu'il a perdu que deux matchs hein, depuis le début de la compétition. Une demi-finale face à Annecy et un match de poule contre. Contre Lagneux. On va laisser tirer Greg Chira sur le jeu voisin. Qui frappe encore. Le temps s'arrête souvent quand Greg Chira s'envole. Et on le sent vraiment déjà bien dans sa partie. Non, Greg Chira n'est pas content, apparemment. Il n'a pas fait de carreau. Ouais. Alors qu'on a Xavier Majorel. Première boule au tir de Xavier, ouais, parfait. Parfait parce qu'il épargne en plus sa boule qui est en danger. Donc parfait. On l'évoquait hein, sur certains commentaires. On a une équipe qui se fait entendre. C'est l'équipe de Lagneux qu'on retrouvera demain matin. On verra s'ils sont aussi réveillés demain matin. Demain matin ouais. On espère parce que ça, c'est bien, ça nous aidera. Hein, à vous tenir réveillés aussi. Ça nous réveillera, on verra. En tout cas, on retrouvera demain matin nos promus, Lagneux et Génicieux. L'occasion
de voir pas mal de nouveaux visages dans cette Ligue Sport Boule, et même si ce sont des visages que l'on connaît dans le monde du sport boule, hein, notamment avec les frères Bourin du côté de Lagnieu, avec Clément Sève aussi, hein, qui est à Lagnieu, champion de France en titre de simple. C'est ça. Face à Sébastien Graille, hein, quelle performance pour Clément Sève. On aura l'occasion de le voir à l'œuvre demain matin. Et une nouvelle reprise, hein, pour Romain Garcia, ouais, très appliqué au point. Très, très appliqué, qui conserve sa boule d'avance, ouais, et qui oblige Xavier à défendre son point. Toujours pareil, avec peut-être la crainte d'avoir le contre. On n'y pense pas, je pense, à ce moment-là. Non, puis Xavier, pour le coup, on l'appelle un peu le magicien. Hein. Il arrive à faire des coups, des fois, à épargner des boules ou à faire des triages. Donc, il tire dans l'esprit, en tout cas, pour éviter d'épargner sa boule. D'une part, et d'autre part, c'est vrai que c'est la force tranquille. C'est vrai. Il est plaisant à voir. Un bel exemple à suivre, ouais. Il a la classe. Allez, le voilà de nouveau, Xavier Majorel. Allez, c'est réussi. Ouais, bravo. Bravo Xavier, qui fait une belle entame au tir. Est-ce qu'il va pousser Sébastien Levamarcon à pointer? Ah non, on part à la bataille tout de suite. Comme quoi, les deux boules pour Nice restant entre les mains de Sébastien Levamarcon, à l'instant de la partie, on préfère le voir tirer. On va d'abord voir tirer Jérémy Micou sur le terrain voisin. Et je pense que c'est une tentative d'annulation, si je ne me trompe pas. Oh, oui. Ouais, c'est ça, c'était une annulation réussie par Jérémy Micou. Et donc à suivre le tir de Sébastien qui, pour l'instant, à part avoir raté la première, pour l'instant il est bien dans sa partie seule. Effectivement, malgré sa blessure, il se débrouille assez bien. Ouais. Il doit compenser autrement. C'est réussi encore pour Seb Levamarcon. Ce qui va laisser une boule de marque. Ce qui va laisser une boule de marque pour Sébastien. Et on reste évidemment à 4-0 sur le jeu numéro 7, donc entre Annecy et Plaine de Lin. Dernière boule à jouer pour les oranges, c'est Fabien Amar. Et la dernière boule pour les rouges et noirs, ce sera donc pour Sébastien Levamarcon. Peut-être pour ajouter un point supplémentaire, mais avant ça, on va suivre évidemment cette boule importante et pour, oui, Fabien Amar. Tentative de reprise pour faire jouer toujours la boule supplémentaire pour la marque à Sébastien. Une boule qui semble bien jouer en tout cas. Légèrement fort encore Fabien. Je pense qu'il assure la reprise malgré tout. Et voilà, il va pousser Sébastien à se doubler sur cette main pour marquer. Ça aura fait une très jolie main, hein, des, oui, deux côtés. Une seule boule manquée pour Patrick Alcaraz. Vraiment, passe. On est gâté. Ouais, on est gâté. Grosse passe des deux côtés. Ouais. Alors, vous avez dit, hein, Florian, vous n'êtes pas pour rien. Il y a du spectacle et on ne l'a pas fait venir pour rien. C'est pas pour rien, c'est notre Champions League à nous. Ouais, c'est ça. Allez, avec Sébastien Levamarcon, peut-être pour un cinquième point pour Nice. 4 plus 1 pour l'équipe de Didier Abraht, donc qui continue, eh bien, pour l'instant de mener les débats dans cette affiche du groupe 4, le groupe de la mort, avec aussi l'équipe d'Annecy et celle de la Plaine de Lin. Pour l'instant, ça se passe très bien pour les Rouges et Noirs, un peu moins pour l'équipe locale de Lyon, l'équipe du club de l'Acro-Lyon. Oui, il va falloir se reprendre parce que voilà, le temps défile et qu'on laisse trop partir ses adversaires, ben, c'est toujours dur de revenir, surtout quand on a des joueurs d'une aussi grande qualité en face. Et vous avez à l'image le tir de Mathieu Vercher. Est-ce qu'il a touché, Mathieu Vercher? Oui. Il a touché, mais la boule qu'il a touchée n'est pas la bonne. Si. Si. Si je regardais, il me semblait qu'elle n'était pas sortie, mais si, elle est sortie juste dans les limites du terrain. Ah, on est placé en bout de boulodrome là. On est bien placé, hein, pour voir le jeu numéro 8, mais on voit pas le fond, ouais, des jeux de là où on est. Et vous le voyez sur ce plan large proposé par toutes les équipes
d'Anis Productions qui vous permettent évidemment de suivre cette compétition avec nos cadreurs. Un petit coucou à Alexandre Bijas, à Benoît Chouran et à Arnaud Favre. Petit coucou également à la technique, François Préguenella, à Fabien Surel, à Mathieu Doll et à notre réalisateur ce soir, Hervé Croza, qui ont œuvré depuis ce matin pour permettre évidemment d'installer et de vous donner ce spectacle. C'est un vrai spectacle. On ne s'est pas souvent trompé hein, pour l'instant depuis le début de cette édition 2024. Sur les affiches, on a eu à chaque fois quasiment du grand spectacle et c'est parti ce soir encore pour nous offrir du spectacle. On va voir si également il y a du suspense. Pour l'instant, Nice a creusé un premier écart, mais il reste du temps, Florian. Oui. Nice a fait un petit peu le break, hein, mais voilà. On sait aussi la qualité des Lyonnais, donc voilà, il faut relever la tête. Et déjà une belle reprise de Fabien sur une boule de Manu qui avait la belle distance, mais qui était restée bien droite par rapport aux mains précédentes où les boules retombaient un petit peu. Là, celle-là, celle de Manu, était restée bien droite. Pour le coup, je suis surpris. Là, ils vont quand même pointer. Manu Bilon. Oui, parce qu'en plus, la boule de Fabien, elle est belle, mais elle est légèrement derrière. Donc... Il reste une petite place. Elle n'est pas facile à prendre. Les jeux sont délicats, mais bon. Il reste une petite place. Et puis, si on arrive à faire la reprise, effectivement, on met aussi les adversaires en difficulté parce qu'on est à nouveau sur une boule qui est légèrement derrière. Et les petits canaris de Bron qui ont marqué un point, qui reviennent à 1 à 5 contre Bourg-Saint-Andéol, contre l'équipe de Patrice Landreau. Il l'a moins joué le long du fil, directement au but. Est-ce qu'elle va tenir? Elle avait la belle direction. Il doit manquer un petit peu de distance, mais en tout cas, elle avait la belle direction, cette boule de Manu. Et ils reviennent Maurienne Galibier qui ne sont plus menés que 4 à 3 par la Côte Saint-André. L'équipe de Gérard Gondran qui avait fait une très très belle première étape, l'équipe de Gérard Gondran. Ça a été un peu plus compliqué à Saint-Vulbas. Donc à suivre le tir de Sébastien, on va défendre les deux boules de Manu, essayer de faire jouer l'adversaire sur deux boules qui sont à 60-70. Et c'est réussi encore. Oui, c'est réussi pour Sébastien Léva Marcon qui est pas mal hein, au niveau stat, Florian. Pour l'instant un seul échec sur sa première tentative et voilà, un petit 6 sur 7. 6 sur 7. Propre pour démarrer. Histoire de comprendre qu'il ne pourrait pas tirer sur les deux jambes, du coup une jambe et demie, c'est... Et ben c'est pas si mal. Ouais, c'est pas mal. Regardez, à chaque fois, hein, il est obligé de freiner ses appuis. Vous avez eu ce cas-là déjà de devoir jouer comme ça avec une entorse Alors entorse non, mais souvent embêté pour le dos dans les années... voilà, il y a une dizaine d'années, donc... Ben on se fait violence et puis quand on est un compétiteur, et ben voilà, on arrive parfois à prendre sur soi. La seule chose, c'est de ne pas aggraver sa blessure. Quand on sait qu'on peut aggraver, on ne prend pas le risque. Donc là, je suppose que Sébastien est bien strappé, il doit avoir une attelle. Donc voilà, j'espère juste qu'il ne va pas aggraver sa blessure, c'est qu'il éloignerait des terrains un peu plus longtemps. Bien tiré de la part de Patrick Alcaraz. Il n'a pas fait le ciseau, mais en tout cas, il a dégagé cette boule qui était vraiment plein jeu. Donc c'est un beau tir. Ça va lui redonner un peu confiance. Voilà, Fabien qui laisse pointer à Gérard Condreau sur le jeu voisin. La légende Gérard Condreau. Oui, qui a changé d'équipe cette année d'ailleurs. Qui était heureux, hein, évidemment, il y a un peu plus d'un mois à Saint-Vulbas de remporter cette étape avec sa nouvelle équipe qui savourait évidemment... elle en fait partie évidemment comme pas mal d'équipes, cette équipe de la Plaine de Lin qui mélange plusieurs générations. Ça c'est toujours un plaisir hein, de voir ces trois générations quasiment hein, qui se retrouvent au plus haut niveau d'un sport. Oui, c'est l'avantage de notre sport où on peut jouer, plusieurs générations peuvent se croiser et être partenaires et il y a de la transmission, c'est ça qui est chouette dans notre sport.
Alors que la troisième boule et deuxième boule pour Fabien Mar a été repris de belle manière, puisque ça oblige Sébastien Lévin-Marcon à défendre la boule de Manu Billon. Ah, c'est frappé. Et c'est frappé. Il ne devait pas se voir droit, Seb, mais c'est touché. On sent quand même que ça traîne un petit peu la patte, on dirait. Ah oui, il traîne la patte, mais pas le bras. Bras droit. Pour l'instant, le bras magique, suit. Ouais. La sortie de boule magnifique de Sébastien. Voilà, suivre la tentative de reprise de Xavier, mais voilà, même chose, il laisse tirer Mathieu Verchet sur le jeu d'à côté. Il y a toujours beaucoup de respect en fait. Oui. C'est un peu ce qui fait l'éthique de notre sport en fait. On respecte chacun, chaque voisin. Et on a quand même envie de gagner, évidemment. On respecte. Hein, on est fair play, mais on a envie de gagner quand même. Allez, Xavier Majorel. C'est bien réussi encore. Bravo Xavier. Xavier qui fait un beau démarrage de partie. En fait, il domine de nouveau ce côté-là, comme il l'avait fait la première passe, rappelez-vous. Oui. Où Nice avait annulé d'ailleurs. Et là, c'est pas. Et à suivre le tir de Romain Garcia. Romain qui n'a tiré que deux boules pour le moment sur la première main. Oui, avec un carreau. C'est réussi magnifiquement puisque Romain fait encore un carreau. Romain qui n'a pas de boule faute depuis ce début de partie et qui en plus avait annulé la plus belle des manières, la première main où son équipe était en difficulté. Exact. Romain est un joueur en très grande forme en ce moment. Ouais, beaucoup de sérénité, notamment Romain Garcia et Sébastien Belay, on les sent. Oui, très serein, ouais. C'est vrai. Il dégage beaucoup de sérénité. Après, en ce moment, ils sont plutôt en confiance. Oui, il y a beaucoup de calme entre eux. Ils échangent beaucoup, ils sont calmes, ils se connaissent très bien. Ils ont envie de bien faire. Oui, puis ils savent qu'ils sont aussi dans un groupe difficile. Donc, même s'ils sont devant au classement, ils savent qu'il y a quatre équipes qui sont capables de faire des grandes choses. Donc, voilà, il faut démarrer bien cette compétition. Et il faut évidemment sonner le goal à virage. Ça pourrait aussi être important. Bien sûr. Demain, en fin tous de matinée. Tous les points comptent, ouais. Est-ce que Xavier va reprendre avant? Oh, c'est repris. Ouais, c'est repris. Bravo, Xavier. Ouais, c'était un beau démarrage de main encore, des deux côtés. On est gâté. Allez, nouvelle boule à tirer pour Romain Garcia. Voilà, on est sur un boule à boule, mais deux points sur le jeu si Romain venait à réussir. Voire trois si refait un carreau. Ouais, c'est réussi encore pour Romain. Mais malgré tout, petite boule d'avance pour l'accro, quoi qu'il en soit. Trois boules pour deux, deux points par terre, voilà, donc à suivre. Avec Eddy Chemarin qui va prendre la suite, qui prend son temps, Eddy Chemarin. On est dans le 4e arrondissement de Lyon, dans la patrie des Canus. Pas très loin du Clos Jouve, qui a malheureusement disparu. Oui, oui. Là où a été fondée la première société bouliste en 1850. On le voit, Eddy, sur les conseils de Fabien, s'est calé carrément à la ligne. Et elle a joué droite au but. Est-ce que ça va suffire en dire ouais, c'est superbe. Ouais, belle direction pour Eddy. Il passe légèrement derrière, mais il n'a pas beaucoup pointé beaucoup de boules. Eddy, depuis le début, il en a pointé une seule. Donc, c'est une belle reprise. Pas content de lui pour l'instant. Et Eddy, on le sent un peu. Ouais, il n'est pas content parce qu'il est passé derrière et que voilà, il se met en danger. Toujours ces échanges avec Xavier Majorel. Il le répète souvent dans ses interviews des Chemarins. Il y a une vraie relation. Vraie relation. Filiale. Puis on est sur la transmission. Ouais, et puis voilà, Xavier est quelqu'un de très très calme, ouais. Qui est aussi très serein, qui ne s'affole jamais. Et du coup, ça amène beaucoup de calme et de maturité à Eddy. Donc ça, c'est vraiment,
c'est une chance pour Eddy d'être avec des joueurs comme, comme Fabien, Xavier, qui sont plutôt calmes. Et puis un joueur comme Patrick qui a vraiment la hargne, quoi. On l'a vu là d'ailleurs, qui a été félicité par Patrick Alcaraz, qui lui a arraché un petit sourire. Ça va le remettre dans la partie Eddy. Voilà, et on continue de jouer au fil. Vous voyez, ils se collent vraiment les joueurs pour essayer de s'ouvrir un petit peu l'angle. Et il l'a tenue bien droite, celle-là, Seb. Je ne sais pas si elle va retomber. Et si. Elle est bien jouée. Alors, je ne sais pas s'il a repris, mais en tout cas, elle est très très belle, sa boule. C'est un peu courte. Il doit manquer un petit tour, je pense, pour Sébastien, mais la direction était vraiment belle. L'avant-dernière boule niçoise. Une boule pour deux, que va faire Nice ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'osais pas trop m'avancer, mais j'aurais pris l'option du tir aussi, parce que la dernière boule de Sébastien est vraiment belle, et puis malgré tout, ils ont quand même 3 points sur le jeu, une boule à 50 devant, pas facile à reprendre. En fait, on peut les laisser, ces points-là. C'est un bon choix, j'aurais fait le même. Allez, Sébastien Belet au tir. Première boule de tir pour Sébastien Belet, qui n'a fait que pointer pour l'instant dans ce début de partie. Il a plutôt bien pointé et il tire plutôt bien également, premier tir 1 sur 1. Tranquille, Sébastien Belet. Et pour l'instant, les Niçois qui préservent leur chance dans cette main. Une boule dans chaque main. Allez, Eddy Chemarin, il y a un bon coup à jouer pour les Lyonnais. Oui, on a pris l'option de pointer parce qu'il vient de bien réussir sa boule, Eddy. Après, voilà, comme je disais, la dernière boule pointée de Sébastien Belet n'est pas si facile que ça à reprendre. Ça va conditionner la marque, certainement. Là. Elle est très, très importante, celle-ci. Ah, elle va s'échapper un petit peu, un tout petit peu. C'est dommage. Il avait la belle force, mais manque un peu en direction. Et je ne sais même pas s'il a repris en second par rapport à la boule de Manu qui est sur le côté, la première boule jouée de Manu. Non, vous avez raison, Foyani. On dirait bien que les deux points sont encore présents là. J'en ai bien peur. Alors, je ne suis pas à leur place, mais j'aurais peut-être pris l'option de tirer cette boule, cette belle boule de Seb Belet qui fait un petit peu déjoué, parce que c'est une boule à 50 bien dans l'axe. J'aurais peut-être pris l'option de tirer pour essayer de faire de la place. Après, s'il la reprend en second, ça marche encore, mais j'aurais peut-être tiré tout de suite pour dégager un petit peu le terrain. Donc là, on se regarde, on ne sait pas trop si... Ça paraît pas assez net que ça, effectivement. Ouais. Il ne doit pas y avoir si gros, donc Sébastien Belet va bouler à son tour. Edith en second. Boule de marque pour Patrice Alcaraz. C'est parti pour lui. L'occasion d'ouvrir le compteur point. Ce serait une bonne chose de se lancer un petit peu dans cette partie. Allez, pour Lyon, l'occasion en effet de revenir au score avec la boule de marque pour Patrick Alcaraz. Celle-là ferait du bien pour l'équipe de Lyon. C'est bien réussi pour Patrick, bravo. Patrick Alcaraz félicité par Eddy Chemarin et Lyon qui inscrit ses premiers points dans cette première main. Merci beaucoup Jean-Claude, on va vous retrouver peut-être un peu plus tard, vous viendrez nous parler de cette rencontre de demain matin qu'on aura l'occasion de commenter entre Génissieux et Lannion. On va vous laisser prendre une petite pause. Avec plaisir. Et puis on vous retrouve un peu plus tard. On va nous accueillir dans quelques instants. On va dérouler une petite pause, une page de pub. Et puis on va accueillir Sébastien Graille qui va nous rejoindre au micro. À tout de suite. Tonic Radio. Bonjour et bienvenue sur Tonic Radio comme chaque matin pour vous accompagner dans la région. Et tout de suite, un point complet sur l'actualité locale et sportive sur Tonic Radio. Merci Tonic Radio, vous êtes les meilleurs. Tonic.
Tonic Radio, hit et pop music. Allez, retour au boulodrome des Canyons. On est à Lyon-Croix-Rousse pour la troisième étape de la Ligue Sport Boule EMA. On est gâté, hein, Florian, depuis maintenant près d'une heure entre Lyon et Nice. Super spectacle, on a la chance puisque Sébastien Graille est avec nous. Sébastien, merci beaucoup d'être présent, de venir nous dire un petit mot. On sait que c'est un week-end particulier pour vous parce qu'il y a énormément de boulot, de job pour que tout se déroule bien sur les terrains. Déjà, bonsoir à tous. C'est vrai que chaque organisation, chaque compétition demande une organisation. Et c'est vrai qu'à l'accro, on sait faire. On a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui nous ont aidés cette semaine. Et c'est vrai que ça fait un joli cadre. Ça a été une organisation particulière, Sébastien. Il a fallu se retrousser les manches. Tout le monde s'est mis pour que cette troisième étape puisse se dérouler dans de très très bonnes conditions. C'est vrai que oui, il y a une équipe qui a refait tous les jeux, hein, de A à Z. Hein, on a enlevé tout le sable, on a peint les lignes, on a tamisé le sable. Et puis voilà, ça fait un cadre magnifique. Les joueurs sont contents de jouer dans ce cadre et la Croix Lyon Boule est fière. Oui, et les équipes lyonnaises, hein, qui sont à l'honneur, même si vous le voyez pour l'instant, pour l'équipe de Lyon, c'est pas facile face à Nice. Vous avez décidé, Sébastien, ce week-end de rester en dehors de la compétition. On peut pas tout faire en même temps. Comment vous vivez, Sébastien, ce début de saison pour votre équipe de Genlard? C'est vrai que moi, j'ai deux casquettes. Hein. C'est vrai qu'en club sportif, je suis à la Croix Lyon Boule, hein, depuis quelques années. On était aussi en cadrette à la Croix et depuis cette année, on est à Genlard. Je remercie le président de Genlard qui est présent ce soir. Hein, et c'est vrai que moi j'ai préféré pas jouer parce qu'on a travaillé toute la semaine. Je me sentais pas jouer. Et puis bon, il y a Joanny Troncy qui fait le sixième et qui est le fils à notre sponsor, hein, à Monsieur Troncy, à Philippe surtout. Oui. Donc on va essayer de faire une belle compétition. Et puis on a pris du retard, hein, surtout la première étape, on n'a pas gagné de partie. Saint-Vulbas, on a fait la demi-finale, il y a eu du mieux. J'espère que à l'accro, on fera une belle étape. Moi, je suis ravie de retrouver Sébastien, c'est mon idole de jeunesse, donc je suis ravie de le retrouver et surtout je le félicite parce qu'il se dévoue à son club. C'est un joueur de haut niveau, il se dévoue à son club et il arrive à mobiliser, c'est un vrai leader, il arrive à mobiliser son équipe pour aujourd'hui produire une belle compétition, pour accueillir une Ligue F1. Donc voilà, moi je remercie Seb et toute son équipe, bien entendu, pour cette belle organisation. C'était un des objectifs, hein, Sébastien, justement aussi, hein, c'était de faire un grand week-end avec la Ligue Sport Boule M1 qui sera donc de ce soir et demain, et puis dimanche également les féminines qui seront à l'honneur sur ces jeux du boulodrome des Canuts. C'est vrai quoi, c'est une première, donc c'est la deuxième année qu'on fait la Ligue M1 et on a mis cette année la Ligue F1. Hein. Faut savoir qu'aussi le monde féminin prend beaucoup d'importance dans notre sport. Hein. Il faut une mixité. Et c'est ce qu'on a fait nous, l'accro, en organisant M1 masculin et F1 féminin. Alors l'année dernière, ça avait été un succès parfait, complet même pour le club de l'accro, hein, avec une étape qui avait été magnifique sur les jeux, une ambiance également en tribune avec beaucoup de monde. Il y a une vraie ambiance qui se dégage quand on est en tribune ici, et puis aussi sur le terrain, parce que vous aviez également remporté l'étape. Le président Philippe Simonet était heureux. Est-ce que cette année encore, une équipe de l'accro peut aller au bout de cette troisième étape? On sait qu'il y a énormément de concurrence cette année, peut-être encore un peu plus que l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner des étapes. Hein. Ça va être un championnat très relevé, hein, très relevé, très serré, je pense, même certains. Hein. Et c'est vrai que pourquoi pas une finale Genelard contre Croix.
Eh bien, on va voir tout à l'heure. En tout cas, on verra ça demain, un peu plus tard. On rappelle que cette finale, elle sera à suivre en direct sur Sport en France à 18h. Et puis, on aura l'occasion de vous faire vivre jusqu'à demain toutes ces parties et ces rencontres. Merci beaucoup, Sébastien, d'être venu parce qu'on sait que c'est un emploi du temps très serré jusqu'à dimanche. Merci à vous. Merci à vous. Et merci pour l'accueil. Merci. On va, nous, évidemment, reprendre le cours de cette partie entre Lyon et Nice. Merci beaucoup, Sébastien. Avec Florian, les Niçois qui ont touché avec Romain Garcia. Oui, pour l'instant, une entame de main parfaite hein, pour les deux équipes. Fabien qui a réussi ses deux premières boules d'engagement, imité par Xavier, et puis trois frappes côté Niçois. Et vous l'avez dit, c'est vrai que Florian, c'est champion. Ça, c'est aussi une des caractéristiques hein, du sport boule, qui sont des stars de leur discipline, oui, et qui sont capables de se mettre au second plan. Qui sont capables de se mettre au service de leur, ouais, sport, d'avoir cette humilité de dire ben voilà, sur cette étape je ne joue pas et je serai plutôt côté organisateur. Donc voilà, je salue Seb Graille hein, et son équipe. Tous les joueurs de haut niveau n'ont pas ce même niveau d'engagement pour leur sport, donc il faut le saluer quand c'est le cas. Jérôme Benoît au tir sur le terrain, le jeu numéro 7. C'est touché pour Jérôme Benoît. Et on va revenir avec Romain Garcia. Vous le voyez que Bourg-Saint-Andéol a fait le trou face à Bron, 8-1 désormais pour les Ardéchois. Oh, ouais, il y a un carreau. C'est encore un carreau, ouais, pour Romain. Romain Garcia qui a amélioré la mène pour Nice. Romain qui est bien axé ce soir et qui confirme voilà, sa grande forme du moment depuis le winter. Il est vraiment, je trouve, injouable. On avait des doutes, hein, Florian, tout à l'heure sur cette équipe niçoise, avec, on le rappelle, Fred Asensi qui est blessé, avec également Sébastien Léva-Marcon qui est touché à une cheville. Et pour l'instant, elle fait une partie quasi sans faute. Oui. Pour l'instant, c'est du grand jeu. Effectivement, on avait une petite incertitude sur le niveau de jeu de Seb Léva-Marcon au tir. Et ben, on est rassuré, il est en pleine forme. Eddy Chemarin au point, quatrième mène, le score est de 5-1 pour Nice pour le moment. Une boule d'Eddy qui est bien jouée, qui va être légèrement forte pour assurer la reprise. Elle avait la belle direction, mais voilà, il a du mal à régler un petit peu la force pour l'instant, Eddy, dans cette partie. Il fait 2-3 fois qu'il dépasse un peu le but. Allez, très belle boule sur le terrain voisin de Jérôme Benoît. Voilà, du coup, Eddy retourne pointé pour essayer de faire cette reprise. Peut-être un petit peu chatouiller le but pour essayer d'améliorer un petit peu la situation. On rappelle qu'il tente la reprise sur un carreau de Romain. Allez, on va laisser d'abord Sébastien Mourog au tir. Ouais. C'est réussi pour Sébastien Mourog. Eddy Chemard hein, maintenant. Qui a conservé le même jeu hein, parce que sa direction était bonne. C'était une question de force. Et là, malheureusement, je crois qu'il reste un petit peu court. Ah, pas en réussite pour l'instant, Eddy Chemard. Ouais, au point, pas en réussite. Sa boule, voilà, sa boule reste bien jouée, mais voilà, on va vérifier, on va bouler avec Xavier Majorel, voir si cette boule a fait le job ou pas. Voilà, ça discute, on tourne autour. On recheck. Ouais, ça va être à rejouer pour oui. Lyon. Xavier se gratte la tête, je pense que c'est à nouveau à eux de jouer. Voilà, est-ce qu'on prend l'option du but pour tenter l'annulation dans cette mène? Voilà, on est deux boules contre quatre, point contre. Pas dans les meilleures situations, la meilleure situation. Je pense qu'ils vont prendre l'option de tirer le but. Ouais. Voilà, on tente l'annulation avec Patrick Alcaraz. Ouais, et c'est un moment important hein, dans cette partie. Là, on est passé sous l'heure de jeu.
Les Niçois qui ont été en difficulté lors de la première main, qui avaient réussi à annuler, ouais. Et qui depuis cette première main quasiment dominent, hein, on sent. Hein, ouais, ils dominent, puis ça les a, en fait ça les a piqué un petit peu, ça les a réveillés, du coup ils, pour l'instant ils n'ont pas beaucoup de boules fautes. Patrick Alcaraz pour annuler cette main. Ouais, bravo Patrick faite. Alcaraz, magnifique. Bravo, Patrick. Magnifique annulation, il sort évidemment son équipe d'une situation compliquée. Oui. Et on va rester donc à 5-1 pour Nice à l'issue de cette quatrième main. Un but ultra important, hein. Là Nice on pouvait vraiment faire le break, donc une belle annulation. Ouais, bravo. Voilà Patrick qui avait commencé à 1-2 et puis maintenant qui est très très bien dans sa partie. Superbe. Allez. C'est évidemment, ouais, regardez la tape de Nice Chemin tout de suite qui... est remis dans son match, ouais. Rien n'est joué encore dans cette partie. Vous voyez que Bron va beaucoup mieux, 8-5, les Brondillans qui sont... On prend un peu des couleurs, ouais, c'est bien. Face à Bourg-Saint-Andéol, 4 partout entre Maurienne Galibier et la Côte-Saint-André. Génolard qui mène 6-1 face à Génicieux. La Motte Servelex, la New 5-4, c'est très accroché, serré. Ouais. Aix-les-Bains qui mène 5-1 face à Fontaine, ça c'est une belle performance. Des Aixois 4-2 pour Annecy face à Plaine de Lin, c'est serré. Annecy qui menait 4-0, oui. Mais Plaine de Lin qui grappille petit à petit des points, et puis 5-1 toujours donc entre Nice et Lyon avant cette nouvelle main à suivre au Boulodrome des Canuts à Lyon-Croix-Rousse dans le 4e arrondissement. Et on a décidé d'allonger un petit peu le jeu côté lyonnais pour essayer de perturber un petit peu cette bonne dynamique des Niçois. Voilà, on joue aussi avec l'adversaire. On sait que Sébastien Lévin-Marcon est un petit peu diminué. Donc ça sera peut-être plus compliqué pour lui de tirer un peu plus loin. Donc voilà, c'est une bonne tactique d'essayer de changer, de bouleverser un petit peu le jeu. Et vous le voyez sur les maillots, hein, lyonnais qui s'affichent. Génération Africa, c'est une ONG soutenue par Jean-Luc Bertrand en Afrique du Sud. Exactement. Jean-Luc Bertrand qui met beaucoup d'énergie dans son ONG, et on salue cet engagement également. Alors, boule d'engagement pour Fabien. Qui est voilà, il est légèrement derrière. C'est une boule qui est pas si mal puisqu'on a changé de distance. Mais voilà, une nouvelle fois, une petite 50 derrière. Il se met un petit peu en danger. Surtout qu'après, il y a Manu Bilon, hein, qui arrive. C'est ça. On va voir comment il s'adapte, Manu, au changement de distance. Est-ce qu'il va prendre l'option de la même direction que Fabien? Est-ce qu'il va jouer du même endroit? Je pense que oui. Ouais, il choisit la même option. Ouais, et pendant un point de grappille encore pour la Plaine de Lin qui revient à une longueur d'Annecy, 3-4. Les parties dans ce groupe tiennent toutes leurs promesses. Hein. Dans le groupe de Manu qui est plutôt raté, qui n'a pas pris la même direction que celle de Fabien. Alors est-ce que Fabien l'a bien tenu à la main et du coup lui a permis de rester sur... D'ailleurs Manu il n'est pas content, il est parti tout de suite, il est retourné tout de suite jouer. Il n'est pas content de cette première boule. Est-ce que celle-là semble mieux partie cette boule? En tout cas la direction est plus jolie. Hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est bien rectifié, il a changé de jeu du coup Manu. Totalement. Il était énervé de sa première, ouais. Ça s'est vu. Et du coup on envoie Patrick Alcaraz au tir logiquement. Ouais, et qui est en... réussite, évidemment mis en confiance sans doute, hein, par son belle annulation précédente. Ouais. On va voir le changement de distance au tir. Hein. Pour l'instant, ils avaient joué entre 13-14 mètres. On est plutôt autour de 16 mètres, 16 mètres 50. Ouais, malheureusement, c'est à droite. Le petit avantage est annulé. Et oui, l'avantage est perdu avec cet échec. On l'a encouragé par Fabien. Voilà, s'il venait à réussir celle-là, le point de Fabien reste quand même malgré tout beau. Donc. Et Patrick qui croise un petit peu le jeu. Allez, seconde boule pour Patrick Alcaraz. Cette fois-ci. Ouais, c'est mieux. Et en plus, il épargne la boule de son coéquipier, donc c'est parfait. Voilà, le ralenti. Beau style de Patrick. Patrick Alcaraz qui a été champion du monde de tir en relais avec Fabien d'ailleurs. Oui. 2009 si ma mémoire est bonne.
Ouais, deux fois champion du monde, c'est vrai, et une fois avec, avec Fabien, mais il n'y a plus pas la date. Alors, 2009 à Mâcon, ouais. J'y étais. 2009. Une fois champion d'Europe également. Ils ont été champions d'Europe ensemble derrière Ativat. Ouais. Patrick Alcaraz qui vient d'Orange. Ouais, Patrick que je connais bien depuis que je suis petite parce que moi j'étais originaire de la Drôme et du coup on se croisait dans les compétitions régionales. Alors Sébastien Bellet prend l'option de jouer du même endroit que Fabien. On va voir si c'est la bonne option pour lui. Après Sébastien Bellet, il les jette plutôt très droite ses boules. Donc, Il va aller flirter avec la ligne. Sébastien Bellet, c'est un peu court malheureusement. Ouais, c'est ça. Il a trouvé la bonne trajectoire, mais un peu court. Ouais, il a joué un petit peu avec le feu, mais par contre, ouais, il manque le petit tour, sinon c'était vraiment parfaitement joué. C'est seulement la deuxième boule ratée au point pour Sébastien Bellet depuis ce début de partie. Et Joyeuse qui est revenue à 4 partout avec Saint-Vulba. Bravo. Belle confrontation. Ouais. Ça va leur redonner aussi un peu le sourire aux joueurs de Joyeuse. Et première réponse hein, pour nous, pour Sébastien Lévalarcon. Est-ce qu'il va s'adapter à cette distance avec sa petite blessure au pied? Oui. Oui. oui, il n'y a pas de souci. Il fallait aller chercher celle-là. Hein. Ouais. Il s'est fait violence, mais il a bien réussi son coup. Toujours les stats très très bonnes hein, pour Sébastien Lévalarcon. Oui, pour l'instant, un seul échec sur la première boucle, juste coiffé. Et depuis, il a tout enchaîné. Qui a 10 sur 11 pour 10 l'instant. Sur 11, ouais, magnifique première partie encore. Hein, pour. Voilà, et puis Fabien qui est pour l'instant à 8 sur 11, donc voilà, ils se neutralisent un petit peu tous les deux. Elle est importante cette reprise là pour Lyon. Oui, surtout que la boule de Sébastien Bellet elle est quand même jolie, elle est vraiment en plein jeu, donc ça rend la reprise un petit peu plus compliquée. Alors est-ce qu'elle va passer cette, elle va trouver son chemin? Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Qui reste collée à celle de Sébastien Bellet. C'est dommage, il manque le petit tour de boule pour passer et mettre en difficulté les Niçois. Et là, du coup, on se complique un peu la tâche côté de Lyon. Du coup, on va continuer de pointer. On aurait pu tenter un petit coup au tir. Hein. Des fois, quand des boules, les deux boules sont collées, comme ça, parfois, on peut essayer de tenter au tir pour faire monter sa boule dans le but. C'est pas l'option qu'ils ont choisie. Et je suppose que voilà, Xavier va essayer de reprendre, mais plutôt au centre du terrain. Pour pas venir coller à nouveau sa boule sur celle de Sébastien Bellet. Elle est importante pour Xavier Majorel. Oui, parce que pour l'instant, dans cette main, les Lyonnais n'ont pas très bien engagé. Ouais, elles sont plutôt bien parties, ouais, cette boule pour reprendre. Magnifique. Et elle reste, c'est magnifique, parfait. Magnifique reprise. Elle est partie, passée par le petit trou de souris, mais en tout cas, c'est superbement réalisé. Bravo à Xavier Majorel qui même nous esquisse un petit sourire. Je pense qu'il s'est fait une petite frayeur, hein, parce qu'il a flirté aussi avec entre la boule et la ligne. Donc, oui. S'il venait à frotter celle de Fabien devant, il sortait des limites du terrain. Mais, ouais. Vous avez vu le petit geste de Patrick Alcaraz, magnifique. Ils ont tous fait sourire, ils ont tous pris un petit coup de chaud. Mais Sébastien Lévalarcon est parti déjà au tir. On rappelle qu'il a pour l'instant qu'un seul échec. Oui. Sébastien. Tout comme Xavier d'ailleurs, qui est pour l'instant à 8 sur 9. Donc le niveau de jeu est quand même très bon des deux côtés. Oh là là, c'est magnifique. Frappé encore. Hein. Sébastien Lévalarcon, ancien joueur de la Croix, hein, qui avait d'ailleurs débuté cette Ligue Sport Bouléma la première année sous les couleurs de Lyon. Super joueur, Lévalarcon. Beaucoup de qualité. Et puis très sympa en plus dans la vie.
reconnaissable, hein, toujours avec cette petite boucle d'oreille, cette petite croix à l'oreille. Et on assiste au point du côté de Lyon. Est-ce qu'il va nous refaire le même coup? Le petit tour de magie, ou est-ce qu'il s'est fait peur et est-ce qu'il va assurer sa boule sur le centre du terrain? On va voir ça tout de suite. Il faut que les Lyonnais recollent. Hein. Vous voyez, il reste 45 minutes encore, ouais, à jouer. Ils sont un peu au pied du mur, là, les Lyonnais. Oh, elle est bien partie, celle-là aussi. C'est magnifique. Hein. Ouais. Superbe. Des deux côtés, ça, c'est un joli cours donné par Xavier Majorel, le professeur, là, qui est passé un coup à droite, un coup à gauche pour reprendre à chaque fois. Avec de superbes boules de Xavier qui sont importantes, hein, pour maintenir l'espoir dans cette main pour les Lyonnais. On va suivre Romain Garcia qui pour l'instant n'a pas de boule faute. Hein. Un petit échec au point seulement, mais pas de boule faute au tir. Il a 6 sur 6, Romain. Il suffisait qu'on le dise pour le faire rater. À gauche, là, pour l'instant, sur ce tir. Premier échec au tir pour Romain. Voilà, le changement de distance, ben, parfois voilà, ça casse un peu les repères. Et son premier échec, malheureusement. On va laisser jouer Jérémy Micou sur le jeu numéro 7. Où vous voyez, c'est très très serré entre Plaine de Lin et Annecy. La Côte-Saint-André est en train de se détacher. Une belle performance, hein, face à Maurienne Galibier. C'est bien tiré de la part de Jérémy Micou. Deuxième essai pour Romain. Non, c'est manqué encore là pour Romain Garcia. C'est une première main manquée pour lui. Il était pourtant très bien parti. Alors là, on essaie de trouver une petite solution. Qu'est-ce qu'on va faire du côté niçois? Il reste une boule à jouer. Une boule à jouer côté Nice. Le point est pour les oranges. Est-ce qu'on va tenter de frapper cette boule? J'aurais tendance à dire que oui. On va continuer au tir. Faire pointer les Lyonnais sur ces boules qui ne sont pas évidentes à passer, on l'a vu. Hein. Donc Xavier a bien réussi, mais Fabien avait échoué dans sa tentative. Donc voilà, on fait jouer. Il faut toujours faire jouer l'adversaire, c'est important. Et puis on casse un point au passage, donc c'est logique. On a 4 points d'avance, on casse du point. Allez, Sébastien Belay. Ouais. C'est réussi. Bravo. Joli tir pour Sébastien. Pour l'instant, Sébastien, il a 2 sur 2. Il n'a pas tiré beaucoup, mais en tout cas, il a réussi ses 2 tentatives. Il va rester 2 coups à jouer pour... Pour Eddy, qui est pour l'instant pas hyper à l'aise au point dans cette partie. Et on l'a mais vu, le chemin est compliqué. Hein, et voilà. Le chemin n'est pas facile, mais il a 2 boules. Donc ça peut laisser l'opportunité de se régler. Et c'est une boule qui est importante. Les 2 sont importantes, hein, parce que ça pourrait permettre à Lyon de recoller au score. Allez, Eddy Chemarin. Pour l'instant, le point est pour Nice. Là. Est-ce qu'elle va rester dans l'air de jeu, cette boule? Oh, malheureusement, non. Il est malheureux là. Il se perd. Il s'est perdu. Une boule qui est sortie des limites du terrain, donc on met sur le repose-boule derrière. Une boule qui est annulée. Après, je suis pas sûr qu'il prenne le chemin le plus facile, hein, Eddy. Il reste plus de boule, hein, côté niçois. Hein. Non. Mais ils ont le point par terre. Une dernière boule pour Lyon pour revenir à 2 à 5 ou laisser Nice ajouter un point supplémentaire. Et là, même chose, comme sur une des mains précédentes, j'aurais peut-être pris l'option du tir sur au moins cette première avec 2 boules en main, essayer de tirer, de faire monter la boule de Fabien dans le but, ou alors tout casser et avoir un point un peu plus facile derrière. Là, choisissent un peu la difficulté à mon sens.
mais bon, ça n'engage que moi. Cette fois-ci, il a décidé de passer plutôt côté gauche. Il passe un peu plus sur le centre du terrain. Et ça va fonctionner. Bravo, Eddy et Chemarin. Bravo. Super reprise qui permet à Lyon de marquer. Un point. Et de grappiller. Un point pour les Lyonnais, un plus un. Ça fait deux pour Lyon. L'équipe. Tu reprends un peu les couleurs. Oui, l'équipe de Jean-Luc Bertrand donc, qui revient à 2 à 5. 3 points de retard pour les Lyonnais. Ça reste jouable des deux côtés dans cette partie, dans cette affiche de cette première soirée de cette troisième étape de l'Export Boulémain sur les Jeux de la Croix-Rousse au Boulodrome des Canuts. 2 pour Lyon, 5 pour Nice. On revoit ce magnifique tour de passe-passe aussi d'Eddy Chemarin avec le petit sourire de Patrick Alcaraz, la petite tape de Fabien Amar et Lyon donc qui revient. On va laisser tirer Mathieu Vercher qui a touché lui aussi. Hein. Oui. Et ils l'ont fait plusieurs fois hein, depuis le début de la compétition, la plaine de l'Ain. Ils sont souvent en retard mais ils arrivent à grappiller, puis au final ils sont au coude à coude. Ils lâchent rien. Ouais. Alors ils sont peut-être aussi en confiance, hein. C'est peut-être ça aussi. Oui, ils sont sur une bonne dynamique. Ouais. Hein. Ouais. Donc la belle étape qu'ils ont réalisée à Saint-Bulbas, on est forcément plus en confiance. Et Joyeuse également, hein, 4 partout qui est au coude à coude avec Saint-Bulbas, qui on le rappelle, Saint-Bulbas, l'équipe d'Albert Didona, qui est de retour, Albert Didona qu'on salue. Et évidemment, qui est de retour dans l'équipe. Fred Marsens aussi, qui était absent lors de l'étape précédente, est de retour. Mais ça n'empêche pas que Joyeuse, pour l'instant, est au coude à coude, 4 partout. Et vous voyez, Génélard, pour l'instant, qui mène largement face à Génicieux, 8 à 1. C'est très serré entre la mode Servolex, même si la mode Servolex, vous voyez, qui mène désormais 7 à 4 face à Lagneux. Sur le jeu conçu en direct, une superbe boucle de Fabien Amar pour engager la main qui envoie tout de suite Sébastien Lévamarco au tir. Et on a gardé cette tactique hein, côté lyonnais de jouer plutôt loin autour de 16,50 m. Ça leur a permis de marquer là-haut, donc ils ont gardé cette option. Après, on a vu que ça embêtait pas tant que ça, Sébastien. Le voilà justement, Sébastien Lévamarco. Magnifique. Sébastien Lévamarco, ça montre que c'est un grand champion aussi. Hein. On voit qu'il traîne un peu le pied, mais en tout cas, il est en réussite. Allez, seconde boule pour Fabien Amar à venir. Pour l'instant, pas de raison de se presser. Hein. Côté lyonnais, il reste un peu plus de. Il y a encore du temps, oui. Ouais. Il y a encore du temps. Après, voilà, il faut continuer dans la belle dynamique de la main précédente. Réussir ses boules, faire jouer l'adversaire. Pour essayer de grappiller encore un peu des points. Fabien qui, pour l'instant, est à 9 sur 13 au point et qui réussit superbement ses deux premières boules là dans cette main. C'est hyper important de bien engager les mains. Pas prendre de retard tout de suite. Cette fois, ça va être priorité à Sébastien. Mathieu Vercher va le laisser tirer. Avec concentration de Sébastien Lévamarco. Ouais. Déterminé, Sébastien. Frappe encore. Machine à taper, hein, Sébastien ouais. Lévamarco, là, depuis le début de la compétition et depuis le début de la soirée. Il a même retrouvé le sourire. Parce qu'il est conscient hein, de ce qu'il est en train de réaliser. Oui, il est des meilleurs tireurs de la Ligue M1 pour l'instant, si je ne me trompe pas. Et il confirme que malgré sa blessure, ben, il répond présent. Ah, il était à 111 sur 128 avant cette étape. Pour l'instant, il est en train de faire monter encore ses statistiques. Hein. Il était à 86%. Ben là, pour l'instant, il est à 93%. Hein, donc, voilà. Faut qu'il joue tout le temps strappé. Voilà, c'est ça. C'est le secret. On va allez, suivre Xavier. Notre magicien ouais. Qui est de retour sur les jeux. Il a un peu plus de place hein, normalement pour aller chercher
la reprise et une bonne boule. Il a monté un petit peu plus que celle de Fabien. Ouais, il reste un petit peu plus au centre. Il a pas pris le risque de la jouer en direction du but. Ça va laisser un petit peu de place à l'équipe de Nice et à Manu Billon qui va jouer du même endroit que Fabien Xavier. Il prend pas le risque de s'ouvrir de l'autre côté. On a vu que le terrain penchait beaucoup. Saint-Vulbar a pris l'avantage face à Joyeux 5-4. 10-4 désormais pour la Côte-Saint-André. Ça se rapproche. Un petit break de fait là pour la Côte-Saint-André. Les Bourg-Saint-André qui mènent 10-5 face à Bron. Et pendant ce temps-là, Manu Billon qui reprend le point. Oui, il assure la reprise, Manu. Manu qui pour l'instant est à 7/12. On va partir au tir côté lyonnais. La boule de Manu est belle. On veut faire jouer encore. Patrick Alcaraz qui avait fait 1/2 sur la main précédente. Le voilà, Patrick Alcaraz. Auteur de tout à l'heure d'une annulation qui a fait beaucoup de bien à cette équipe lyonnaise. Ah, il est encore un petit peu bas. Un peu court, on l'a entendu. La plupart de ses trous sont un petit peu bas. Manque un peu de... deux courbes pour Patrick. Ouais, il est un petit peu énervé, il repartirait. Ah, les Lyonnais qui sont en retard dans cette main. Ouais. Ouais, on voit qu'il finit pas tout à fait le geste, Patrick, et du coup il tombe un petit peu bas. Sébastien Bourg sur le jeu numéro 7, annulation. Pour l'annulation, ouais. Ouais, Sébastien Bourg, je crois qu'il fait partie des... des joueurs en réussite les annulations. Sur les annulations. Il était à 10/13 avant cette troisième étape. Qui retrouve la compétition avec cette formation de la Plaine de Lin qui était on avait vu briller sous les couleurs de Saint-Vulba. Et qui a fait une très très belle étape justement à Saint-Vulba. Alors deuxième tentative de reprise pour Manu. Il est resté un peu plus en haut du terrain. Est-ce que ça suffit? Ouais, il est passé devant la boule de Xavier, il assure la reprise. Je pense qu'il ne voulait pas forcément passer par là, mais en tout cas, il assure la reprise. Ouais, il discute avec Sébastien Belay sur la direction et... Voilà, il a bien vu qu'il n'avait pas pris la même direction, mais bon, la reprise est assurée. Ouais, il a fait le job. Oui, exactement. Manu Billon. Ils ont une boule d'avance, donc voilà, le job est fait. Xavier, voilà, maintenant de faire cette reprise à son tour. À 4, même maintenant pour la Côte-Saint-André face à Mauriane Galibier. Une boule de Xavier qui arrive et qui assure encore la reprise. Ouais. Xavier, bravo. Sa boule, elle est superbement bien jouée parce que s'il venait à frotter un petit peu sa boule devant, il pouvait même s'en faire deux. Donc très très bien joué. La belle force. C'est Romain Garcia qui va partir au tir. Romain Garcia qui reste sur deux échecs sur la main précédente. Donc je pense qu'il a à cœur de se reprendre aussi. Il a l'avantage de boule. Il sait que c'est un tir important. Ouais, qui est bien encouragé d'ailleurs pour son équipe, ils le savent. Et un nouveau échec. Troisième échec pour Romain Garcia. Pour Romain. Moins relâché sur ces boules un peu plus loin en distance. Et on sent dans le pas que... Ouais, il est un petit peu agacé, Romain, là. Et il sait que c'est un sans moment être important, agacé, pour voilà, son il équipe, doit être un peu déçu pour son équipe. Surtout qu'il était sur une bonne dynamique, donc il n'y a pas de raison. Ah, bravo. C'est bien repris Romain, il réussit cette frappe.
frappe. Et du coup, on est à nouveau 2-2 entre Lyon et Nice. Mène encore qui tient toutes ses promesses. Hein. Encore très très serré. Ouais, ouais. Beaucoup de suspense. Mis à part la deuxième mène, hein, avec ses 4 points marqués, on est très serré. Ouais, maintenant ça joue point par point, donc c'est intéressant. Allez, on va suivre Eddy au point. Pour Lyon, ça va être compliqué si Sébastien Léva-Marcon ne fléchit pas. Hein. C'est peut-être aussi l'une des données de cette dernière demi-heure qui s'annonce. Ouais. Oui, parce que Sébastien Léva-Marcon souvent joue les premières boules pour son équipe et il les réussit et il les met vraiment sur une bonne dynamique pour la mène. Donc on a un joueur bien en forme et quand on réussit les premières boules, c'est toujours un peu plus facile. Ouais, c'est super bien joué là pour Eddy qui vient toucher sa boule. Et il améliore vraiment la mène pour son équipe parce qu'il vient glisser 2 points. C'est très bien joué dans l'esprit. Hein. C'est une boule qui, même si elle ne venait pas à toucher la boule de devant, reprenait derrière. Est-ce qu'il est... Ça lui a mis une petite transpirée, l'impression. Eddy devait se voir fort, mais il reprenait quand même derrière. Après, les boules sont ensemble. Quelle option va prendre Nice? Est-ce que on repointe, on fait la tentative au point. Est-ce qu'on va tirer dans ces deux boules qui sont presque collées? Il y en a un qui est gourmand, qui attend peut-être pour... Oui. On se pose la question. Hein. Ça les fait réfléchir, ces deux boules un peu alignées. Après, leur boule est aussi un petit peu en danger dans le paquet. Donc, je pense que Sébastien Belet, dans sa sagesse, va tenter la reprise au point. 5-4 pour Saint-Vulbas face à Joyeuse. 8-2 pour Aix-les-Bains face à Fontaine. De belles surprises ce soir avec Aix-les-Bains et la Côte-Saint-André là, qui sont en train de battre des outsiders de cette compétition. Fontaine et Maurienne Galibier. Et bon, qui se démène face à Bourg-Saint-André, mais pour l'instant c'est pas encore suffisant. L'équipe de Patrice Landreau qui est à l'avantage. Et là ça va être un petit peu court là pour Sébastien Belet. Est-ce que la machine rouge et bleue est en train de s'enrayer avant la dernière demi-heure? L'option d'allonger un petit peu le jeu a fait du bien aux Lyonnais. Ça perturbe un petit peu la bonne routine et dynamique de Nice. La boule de Sébastien Belet était bien jouée. Et simplement, manque de force. Et du coup, on part tirer cette fois. Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de nous écouter, tirer sur la boule précédente? On va voir la réponse dans très peu de temps. Il reste une boule de chaque côté maintenant. L'heure de vérité dans cette sixième mène. Donc là, l'objectif de Sébastien, évidemment, c'est d'essayer de frapper, d'éliminer les deux boules de Lyon. Hein. Donc c'est pas si facile que ça. Après, les boules sont presque alignées. C'est un tir de précision. Voilà, il nous a fait. Alors là, il a fait un petit tour de magie. Ouais. Il est presque plus droit sur la sienne, mais il s'écrase un peu au milieu. D'ailleurs, il s'excuse hein, parce qu'il a vu qu'il n'était pas droit, cette belée. Du coup, il s'écrase un peu sur sa boule, mais il fait le carreau. Et je pense même qu'il tient. Oui, ouais, c'est ça. Tenir, ouais. On revoit au ralenti, voilà, évidemment. On voit au ralenti, il était à peine droit. Et du coup, bah, il a un peu de réussite. Ça fait aussi partie du jeu. Hein. Il a dû avoir un petit peu peur en l'air, mais ça s'est plutôt bien passé pour lui. Et du coup, Eddy va tirer. Première boule un peu loin pour Eddy. Et c'est la dernière boule de cette sixième mène. Boule de marque encore pour Eddy. Allez, Eddy Chemarin. Tir. Oui. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Ah, c'est magnifique parce qu'il ce qu'il vient de faire Eddy Chemarin. Seul, et ça c'est fait magnifique. Un ou 2 points. Et je pense que ça fait 2 points. Oui, je crois que ça fait 2 points de plus hein, pour les Lyonnais qui vont se rapprocher. Couleur, ouais. Se rapprocher tout doucement. Des Niçois. La sortie, cette superbe, ouais, superbe, magnifique. Ça va lui faire du bien, évidemment. Eddy Chemarin, ah, il faut le faire. Passer une boule comme ça, c'est magnifique. Pas content forcément de son début de partie. Il est en train d'être un élément clé là pour les Lyonnais. Alors ouais, que une vous boule voyez, qui compte double presque. Le public, très on nombreux, en parlait hein. tout à l'heure, qui est présent dans les gradins de Lyon. Avec je crois qu'on aperçoit le papa et la maman de Fred Marsens. De exactement. Fred Marsens, la famille Marsens est venue exactement. Évidemment. Retrouver notre Australien, oui, qui avait été exceptionnel lors de la première étape. Ça avait été le meilleur joueur de la première étape à Mâcon, Fred Marsens, qui ont pensé aller beaucoup beaucoup manquer à cette formation
d'Albert Didonna et il a été bien remplacé hein, à Lyon. Ils s'en sont bien sortis quand même. Ils s'en sont bien sortis puisqu'ils ont quand même été en finale. Et d'ailleurs, on salue la prestation de Jacques Chalessin, qui était le joker de cette équipe et qui a été très très bon lors de cette étape villibadoise. Ouais, une boule correcte encore pour Fabien. On est encore à un but un peu lointain, 16,50 m environ. Pour l'instant, ça réussit au Lyonnais. Donc on essaie de garder cette distance pour le but. Regardez les deux parties là dans ce groupe 4. 4 à 3 pour Annecy face à Plaine de Lin. 5-4 pour c'est Nice face indécis. À Lyon. Ouais. Ouais. Ça promet. C'est un peu ce qu'on avait annoncé, ouais. Hein, que c'était un groupe où il y avait vraiment 4 belles équipes et que ça allait être accroché. Et voilà, on ne vous a pas menti. Ouais. Et le goal average aura peut-être son importance dans ce groupe. Et on peut imaginer qu'on va laisser quand même beaucoup d'influx, Florian aussi. Hein, oui, dans là on sait qu'on va jouer 3 grosses équipes pour la 4e. Donc ouais, c'est compliqué, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce sport à haut niveau. C'est pour avoir des parties avec des belles confrontations comme ça. Allez, on est passé dans la 7e main. Lyon qui revient à une petite longueur de Nice. Saint-Villebas qui mène 6 à 4 désormais face à Joyeuse. Aix-les-Bains 8 à 2 face à Fontaine. Et 8 à 1 toujours face à Gennard, face contre Génicieux. Ça bouge plus hein, depuis un petit moment là, le score. Il y a peut-être eu des annulations effectivement. Et Sébastien Léva-Marcon. Il n'y a pas un tir facile là, Sébastien Manu a manqué sa tentative de reprise et du coup il a une tir un peu à sauter et voilà, juste il franchit la boule, c'est pas des tirs faciles. Voilà, ça casse un petit peu sa dynamique, mais j'ai envie de dire c'est un tir un petit peu compliqué qu'on lui demande à Seb là en ce début de main. C'est son deuxième échec. Hein, oui, seulement deux échecs pour Sébastien. Son premier échec était sensiblement le même, juste franchi. Et du coup, il a 13 sur 15, Sébastien Léva-Marcon, 87% pour l'instant. Vous pouvez presque, Florian, lui dire son pourcentage. Hein. Il n'est pas très loin. Je dirai à la fin. On est proche des joueurs. On est bien hein, aussi. On est bien placé. Ouais. Tribune. Ouais, on est vraiment tout proche des jeux. Deuxième tentative pour Sébastien. C'est bien réussi. Ouais, c'est bien réussi. Bien réussi pour Sébastien. Quel talent. Et quel spectacle ces joueurs vous offrent et nous offrent depuis 1h30. Sur le terrain voisin, c'est Jérémy Micou hein, qui est allé tirer. Un bon début de partie également. Ouais. Il a une telle allonge, Jérémy Micou, qu'on a l'impression qu'il joue à 2 mètres hein, c'est quand ça. Il tire. Ouais, il est très grand. Et puis il a une manière aussi d'avancer assez efficace. Tentative de reprise cette fois pour Fabien. Il a souvent des boules d'engagement dans les mains, Fabien, puisqu'il est pointeur de tête de cette équipe lyonnaise. Et là, une tentative de reprise. La direction semble bonne. Est-ce qu'il aura la distance, Fabien, pour passer? Ouais, il fait la belle reprise. En plus, il vient se coller à nouveau à la boule de Denisois. Bien réussi. Et pendant ce temps, Bron n'est plus qu'à 2 points de Bourg-Saint-Andéol, 8 à 10. Ils font une belle partie, Bron. Il lâche rien, c'est très bien. Ah, ils sont également à domicile, hein, les Brondillans, hein, autre équipe rodanienne oui. Présente dans cette compétition. Romain Garcia, qui n'a pas un tir facile, hein, un petit triage encore à faire, essayer de conserver sa boule sur le terrain. Aïe, et du coup, il a pas pris la bonne. Hein, ouais. Il frappe sa boule, Romain. Pas bien droit. Et moins bien cette deuxième partie
de jeu là, il est moins bien Romain. Ouais, ça se ressent, on le disait tout à l'heure en début de partie qu'on voyait une certaine sérénité du côté de Romain Garcia. Oui, c'est le joueur fort de ce début de partie avec Seb Belay, Seb Lévamarcon. Il était très très bien dans sa partie. Et voilà. Les Lyonnais ont allongé un peu le jeu et il a perdu un peu ses repères Romain. Manu qui rate sa reprise en plus. Moi, serein, les Niçois là. Ça se complique un peu pour les Niçois. On le voit dans les visages, hein, dans les attitudes. Sur le body language, comme on dit. Ouais. Sébastien Lévamarcon, lui, on le sent toujours satisfait, évidemment, de sa performance. Et il peut être satisfait. Mais on voit un peu d'agacement du côté de Manu Billon. Moins, voilà, sur les visages, on voit qu'ils sont moins sereins. Et puis là, c'est une tentative d'annulation importante pour Romain. Il n'est pas en réussite là, sur ses trois dernières mènes. Et il a un but important, mais je sens que ce but est tapé. Romain sur les buts, il est très très fort. Ouais. Et justement, bravo Romain Garcia. Ouais, et on va rester là à cette 7ème mène, toujours 5-4 pour Nice face à Lyon. Bravo à Romain Garcia qui. Auteur d'une deuxième annulation hyper importante pour son équipe. Sur la première mène, déjà, il avait annulé. Et là, c'était une mène très très chaude pour son équipe et il annule. Il doit faire partie des meilleurs tireurs de but romains depuis dans cette compétition aussi. Sous les yeux de Didier Abrat, évidemment, qui peut être satisfait. On reste à 5-4 pour Nice face à Lyon avant la 8e mène. Et sur le terrain voisin, Annecy se détache pour mener désormais 8-3 face à la Plaine de l'Ain. Petit break du coup avec 19 minutes restantes. Voilà, Annecy qui fait le break là face à la Plaine de l'Ain. Allez, on va continuer cette 8e mène. Toujours avec Fabien, pointeur de tête de cette équipe. Le but un petit peu moins loin, mais par contre sur la même à gauche du terrain, comme la mène précédente. Donc il joue du même endroit. Un peu plus engagé en haut, Fabien. Et sa boule est très bien réussie. Elle revient bien. Bien joué avec le terrain. Superbe boule d'engagement encore, Fabien. Fabien qui pour l'instant est à 13 sur 17, total de 76%. Il avait entamé un petit peu en demi-teinte sa partie, 1 sur 2 pour Fabien, puis là il a fait une belle série, manqué la 6e mène, mais bien réussi depuis deux mènes. Manu qui va s'attacher à reprendre cette boule. Elle n'est pas facile, hein. Bon, c'est une belle boule déjà, cette distance. Manu qui monte un petit peu aussi. Est-ce qu'elle va redescendre comme celle de Fabien? Elle ne redescendra pas. Non, elle ne redescend pas, celle de Manu. Manu qui s'envoie un petit peu aussi avec le terrain. Là, il est à 50% à peu près. Manu, il est à 8 sur 16. Donc, il s'envoie un petit peu avec le terrain. Il a souvent la distance, en fait. Souvent, ses boules ont une belle distance, mais pas la bonne direction. Allez, on va laisser tirer Mathieu Vercher tout d'abord. Deuxième tentative de reprise pour Manu. Un nouveau point pour Genlard. Il n'y avait plus rien depuis un petit moment. Et on... Ça vient de rebouger. Ouais, ça vient de rebouger. Bien rectifié pour Manu. Bonne direction cette fois. Et la reprise est assurée. Même s'il y a un petit avantage pour Lyon dans cette 8e mène. À condition évidemment de tirer. Ils vont défendre le point de Fabien qui est plutôt très bon. Ça change de main en plus puisque Manu a joué deux fois. Donc ça sera à Sébastien Belay de tenter la reprise. En cas de réussite de Patrick, ce qu'on lui souhaite. Ouais, c'est bien réussi.
Patrick Alcaraz. Ah, on disait tout à l'heure qu'il y avait des supporters de Saint-Milbaï, il y a des supporters également de Fontaine. De Fontaine, qui sont les entend dans les tribunes. Ouais, la fille de Jérôme Le Vieux, Colline, qui encourage toujours son papa. Qui sera là aussi également sera là, la dimanche. Ligue F1, exactement, avec l'équipe Le Vieux de Fontaine. Vous êtes, Colline Le Vieux, à recueillir toutes les informations sur les joueurs, qui est précieuse. M'évite de dire trop de bêtises, Florian. Vous savez que je dis beaucoup de bêtises. Non, ça va. Allez, c'est encore réussi pour bravo, pour Sébastien. Regardez son regard. Déterminé. Déterminé. Ça va tirer également sur le terrain voisin avec Jérémy Micou. Bravo. Est-ce qu'il est valable ce tir ? On tourne un peu autour. Il y a un petit bruit là qui semblait un petit peu loin. Qui était limite. Ouais. On est un peu loin pour juger ce tir. Pour le bruit, c'était limite. Mais... Ensuite, là, la tentative de reprise de Fabien à nouveau. Il y a eu une belle première boule. La direction semble bonne. Est-ce qu'il a mis la bonne force, Fabien ? Ouais, parfait. Encore une belle boule pour Fabien. Ça reprend pour les Lyonnais. Quel pointeur ! J'ai lui pas aussi, du tout de parti lui, pris. Lui aussi aurait des supporters dans l'assemblée. Ouais, je n'ai pas trop le droit. Il faut être impartial. Et à nouveau, Sébastien Léva Marcon qui a réussi sa première boule sur cette main. C'est réussi encore. Hein. Bravo. Ah, il est vraiment parti sur de très très hautes bases cette saison-là. Toujours deux seuls échecs pour Sébastien. Il est à 16 sur 18, 89%. C'est du grand, grand niveau. Greg Schira sur le jeu voisin qui frappe encore. Ouais, ça semble bien parti pour Annecy. On le voit sur les visages, dans les attitudes. Cette main précédente semble avoir été déterminante dans ce duel face à Plaine de Lain. Qui est un petit peu Plaine de Lain. On voit sur les visages qui semble un petit peu plus désabusé, plus inquiet. Ça discute beaucoup. Et on va retrouver Xavier qui n'a pas joué sur la main précédente puisqu'elle a été annulée par Romain Garcia. C'est un petit moment sans jouer. Alors c'est une boule qui monte. Est-ce qu'elle va redescendre comme celle de Fabien ? Il manque un peu de force, Xavier, pour le faire. Ça, c'est un avantage là, qui est un qui est boule ratée qui va faire du bien au niçois. Xavier qui n'a pas raté beaucoup de boules non plus depuis le début. Xavier, il a 10 sur 13 au point. Et on va tout doucement, Florian a arrivé dans les 10 dernières minutes de cette partie. Alors on laisse tirer le jeu voisin, Sébastien Mourgue. Une tentative d'annulation ratée. Ouais, ça se complique là pour Plaine de Lain. Avec des scores quand même assez serrés, tout sera encore jouable pour les quatre équipes dans ce groupe 4 justement demain parce que on le voit, il va encore falloir batailler, même si Annecy semble bien parti, pour l'instant Nice à l'avantage, rien ne sera assuré après ces premières parties de groupe. Oui, l'objectif, c'est de rester quand même au contact, de ne pas prendre des grosses parties, parce que, comme on l'a dit, le Golavérage peut jouer en fin de partie de groupe, donc il faut s'accrocher. Et on vient de revoir la réussite de Patrick Alcaraz au tir. Et on change de main, de pointeur côté niçois, et c'est Sébastien Belay qui va tenter cette reprise d'une boule de Xavier qui est un petit peu ratée, qui est restée un petit peu court.
Et voilà Sébastien Belay qui joue du même endroit, mais je pense qu'il va moins la monter sa boule. Il a vu que Xavier était resté perché là-haut et voilà, il la joue un peu plus au but. Elle est bien réussie sa boule. Ouais, elle est magnifique. Elle est bien jouée. Elle est même parfaite. On envoie Eddy Chemarin logiquement au tir sur ce biberon. Eddy qui pour l'instant est à 3 sur 4 au tir, donc plutôt en réussite au tir. Un peu plus en demi-teinte au point, 3 sur 6. Allez, c'est bien concentré là, Eddy ouais. Chemarin, il a pris son temps. Ouais, ouais, c'est bien, bravo. C'est réussi. Parfait. Après, la boule de Xavier est plutôt facile, je dirais, à reprendre. Donc ah, il va avoir la place. Hein, ouais. Sébastien Belay. Ah, ils avaient pris du but, les Lyonnais. Ils avaient annoncé du but. Du coup, le but se retrouve après la barre des 17 mètres. Doit être autour de 18 mètres, je dirais. Et Sébastien Belay. Ça peut avoir son importance, hein, le fait que le but ait bougé aussi de place, ça peut faire rater un petit peu la boule à Sébastien, ce qui permettra aux Lyonnais de reprendre un peu plus facilement. On va suivre ça. C'est pas parti pour. Hein. Il avait parti pour faire une très très belle boule. Magnifique et Sébastien Belay qui lui aussi Sébastien fait un gros match. Hein, Sébastien Belay, il fait pas de bruit, mais il est vraiment d'une efficacité. Ouais, pour l'instant, il a pas d'échec au tir. Hein. Sébastien Belay, il est à 3 sur 3. Et puis au point, il est à 7 sur 10, donc 70%. Et là, il vient de jouer deux boules ultra importantes pour son équipe, faisant deux biberons sur des distances sur lesquelles les joueurs ne sont pas habitués. Hein. Le but qui est au-delà de l'aire de jeu. Alors, discussion là avec Eddy Chemin. Eddy a l'air décidé à partir au tir. Hein. Après ça change de main, il a peut-être raison, en tout cas c'est, on va pas pointer sur un biberon, donc voilà, on retire. Et victoire de Bourg-Saint-Andéol sur Bron, première équipe finalement sortie, c'était serré aussi, ouais. 13 à 8, premier résultat donc dans cette soirée. On va suivre ce tir lointain, il était compliqué, il était dur, ouais. Hein, ce tir de Chemarin. On a vu qu'il y a dû un peu forcer là, ouais, la distance. Moins souple. On force un petit peu plus et du coup, on fait des petits pas droits. On le voit tout de suite à la sortie de main. Et Bronc a bien résisté face à Bourg-Saint-Andéol, mais malheureusement, l'équipe de Régis Coste-Scherrer qui subit une 7e défaite de rang. Compliqué, ouais, pour l'équipe de Bronc. Qui a du mal à démarrer cette saison. Et demain matin, ce sera face à la Côte-Saint-André, un match important. Même si la Côte-Saint-André, vous le voyez, qui est en train de toujours mener 11-6 face à Morian Galibier. Xavier, tentative de reprise. Oula, 12-3 pour Annecy face à Plaine de Lin. La main pressante a fait mal à Plaine de Lin et ils engrangent encore, prennent encore 4 points. Une boule qui est bien jouée de Xavier, mais qui frôle la boule de Sébastien Belay et qui passe juste derrière. Après, c'est une boule qui est quand même bien jouée, qui ne facilite pas la tâche à Romain Garcia pour rajouter. Plein de l'un qui a craqué sur la fin face à Annecy. Sur la fin, ouais, c'est dommage parce que c'était bien accroché tout le long et sur les deux dernières mènes. Ça a craqué un petit peu. Ouais, ça se joue peut-être cher. Aussi à l'expérience. Hein, équipe d'Annecy qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a l'expérience. Par rapport à cette équipe de Plaine de Lin qui accède à la M1. Alors, est-ce qu'ils vont ajouter un deuxième point, les Niçois
aussi vont peut-être profiter des derniers instants. Alors difficile de voir là. Ça semble possible. Elle est pas mal cette boule de Romain. Boule noire pour les Niçois, boule blanche. Il y a manqué un petit peu pour les Lyonnais. Romain. Non, manqué, elle est très bien jouée. Et là, il a encore l'opportunité en venant toucher un petit peu sa boule de faire 3 points. C'est une boule qui, dans l'esprit, est plutôt très bien jouée. Et vous le voyez, à 6 minutes, il va rester une main. Cette main, elle va faire mal là pour les Lyonnais. S'ils prennent 2 ou 3 points, ça va être compliqué. Alors pour l'instant, il y en a un, hein. Il n'y en a qu'un seul. On va voir si Romain Garcia arrive à en mettre un deuxième, toucher, voire un troisième. Voilà, on pourrait s'arranger un petit peu le jeu. Je pense qu'il va jouer dans l'esprit pour essayer de faire 3 points. Il n'est pas au jeu, ça va rester un point hein, pour les Niçois. C'est un moindre mal, hein. Ça aurait pu être plus dur pour les Lyonnais. Et finalement, ils prennent qu'un point. Et un point de Xavier était bien joué. De plus pour Nice qui mène désormais 6 à 4, toujours aussi serré entre Lyonnais et Niçois. Dans la dernière main, sauf annulation, ça serait la dernière main. 5 minutes de jeu. Oui, 6 à 4. 6 à 4. Rien n'est joué. Les dernières minutes. Allez, c'est parti pour cette dernière main, la neuvième main. C'est dur à dire. Voilà. Avec Manu Billon pour sans doute son avant-dernière boule de la soirée. Ouais. Et les Niçois qui sont revenus sur un but autour de 14 mètres 50. Et pour l'instant, une seule équipe est allée au bout des 13 points. C'est Bourg-Saint-Andéol, l'équipe de Patrice Landreau, qui décroche une victoire importante, 13 à 8 dans ses premières parties. L'équipe de Bourg-Saint-Andéol qui demain matin jouera un match important face à Maurienne Galibier qui est en train de perdre face à la Côte-Saint-André. D'ailleurs, ça vient de terminer également. La Côte-Saint-André qui s'impose également sur le score de 13-6. 13-6. Ça va donner une partie importante pour Maurienne Galibier demain matin pour évidemment. Pourquoi pas se relancer dans ce groupe 1 et l'occasion peut-être pour Bourg-Saint-Andéol de confirmer. En tout cas, c'est bien de démarrer avec une victoire sur cette première partie de groupe. On suit la tentative de reprise de Fabien. Et c'est repris pour Fabien. On va contrôler quand même. Ça me semble bien pour Fabien, mais je ne suis pas sur le terrain. Mais non. Non. Et non. C'est un petit peu long. Ouais, c'est un petit peu long, Fabien. Et on va laisser tirer Jérémy Micou d'abord. Ouais. Annecy aussi qui pourrait finir lors de ces dernières minutes de jeu. On a pris l'option du tir côté lyonnais. J'aurais pas fait ce choix, j'avoue. J'aurais tenté de traîner un petit peu le but au point parce qu'on est au compte. Et en plus, ça arrive l'échec, donc ça démarre mal. Ah, ça démarre mal. Pour les Lyonnais. On va tout de suite tirer au but pour Patrick Alcaraz. C'est Eddy qui l'a poussé un petit peu pour tenter l'annulation. Il reste 2 minutes. On ne prend pas le risque de pointer une boule supplémentaire pour venir cacher la cible. Donc, plutôt assez logique avec le temps qui reste et la configuration du jeu de tirer tout de suite. Alors, est-ce qu'on va aller vers une dixième main entre Lyon et Nice? Il a touché le. Ouais, ça a touché la bandelle blanche. On l'a vu bouger. Et annulation donc qui ne sera pas validée. On va aller au bout de cette 9e main qui est très mal engagée pour Lyon. Les Niçois sont bien partis là pour
remporter cette première partie très très serrée. Très serrée et voilà, 4 à 6, 2 points de retard avec 2 boules déjà manquées, ça semble compliqué. Après on a vu de tout hein, dans les boules. Pourquoi pas venir chatouiller un petit peu ce but sans faire 2, compliquer la tâche des Niçois. En tout cas, il va falloir jouer correctement les dernières boules de la main. Allez, Fabien Amar pour sa seconde boule. C'est fini pour la mode Servalex qui s'impose face à Lagneux 13 à 5. Bravo à l'équipe de Philippe Mollard. Qui confirme aussi son début de saison. Hein. Très très bonne équipe, très très bon début de saison. Qui ce soir jouait sans Guillaume Abelfaux. Oui. On verra si demain il sera là, Guillaume. Là, c'est serré également entre Saint-Vulbas et Joyeuse. Hein. Un point d'écart avant ces derniers instants-là. On rappelle que Joyeuse est toujours à la recherche de sa première victoire, de son premier succès. Ce sera peut-être pour ce soir. Et voilà, ça y est, le buzzer, l'arme. Le buzzer. Le buzzer, la sonnerie. Le signal. Le signal. Et le tir de... Encore. encore réussi. Pour Sébastien Léa-Marcon, qui a fait une superbe partie. Il lui reste encore une boule à jouer, mais... Deux erreurs seulement. Hein. Deux erreurs pour le moment. On ne va pas lui porter la poisse, mais il est sur un 89% de réussite au tir. Un peu pour Jérôme Benoît. Ouais. Grimace. Ouais. Hoche la tête. Il n'est pas content. Il y a quelques... problème de dos hein, depuis un petit moment récurrent qui le freine. On va partir tirer côté lyonnais, essayer de faire jouer encore une boule au Niçois. On sait que c'est pas très bien engagé dans cette semaine, on va pas se mentir. Ah, c'est manqué là, ça sent, échec, ouais, ça sent pas bon, pas pour, bon du tout les Lyonnais. Pour les Lyonnais, on les voit qui commencent à courber les chines et la tête. Ouais. Rate un peu les dernières boules, c'est dommage dans le money time. Mais cette partie bien en main, ils étaient bien revenus. Hein. Ils étaient sur une pente ascendante. Malheureusement, ils finissent pas bien. Parce qu'ils sont partis trop tôt à l'annulation. Alors, on en est où sur les autres jeux? Pour l'instant, pas d'autres. Match 3 matchs terminés pour l'instant, victoire de Bourg-Saint-Andéol, de la mode Servalex et de la Côte-Saint-André. Belle performance face à Maurienne Galibier. L'équipe de Gérard Gondran. Tentative de reprise de Xavier. Oula, elle reste un peu perché, sa boule. Est-ce que. Ouais, non. Elle s'est un peu arrondie, mais ça suffira pas. Alors, rien ne sera perdu hein, pour Lyon à l'issue de cette première étape, parce qu'il peut y avoir encore plein de retournements de situations dans ce groupe très proche. Oui. Mais Nice va faire sans doute une très très belle opération. On prend une bonne option dans ce groupe en s'assurant une première victoire. Après, j'ai envie de dire qu'il faut que les Lyonnais s'accrochent quand même sur les dernières boules, parce que le goal average peut avoir son importance. Donc, quand même bien finir, même si on n'a pas trop le moral. Ouais, et malheureusement, ça se passe pas bien pour les oranges. C'est dommage, on aurait pu limiter la casse dans cette dernière main. Et là, on s'expose à prendre un gros coup et à laisser en plus envoler le goal average. Allez, dernière boule pour Xavier Majorel. Pour Lyon, vous voyez, il reste encore 6 boules à jouer pour Nice. Pour limiter la casse, il faudrait qu'il traîne un petit peu le but dans la boule de Fabien de derrière. Je pense qu'il l'a joué pour. Et il manque un petit peu de force pour le faire, mais c'est une boule qui est bien jouée. Il assure la reprise. Après, il reste 6 boules à Nice.
Et c'est gagné pour Annecy. Bravo aux coéquipiers de Greg Chira qui remporte une partie importante hein, dans, dans ce groupe. Et 11-1 pour Genelard face à Génicieux. Le score d'Annecy face à Plaine de l'Ain, on l'attend. Hein. Est-ce que c'est 13-2? On va suivre ce dernier tir De Sébastien qui a réussi et qui obtient un très beau 18 sur 20. Le score pour l'instant n'a pas bougé, il n'a pas été actualisé. On reste sur un 12-5. Et on voit la déception évidemment de Fabien Amar. Les Lyonnais qui sont vus revenir, hein, qui ont eu une, Qui ont eu l'espoir parce qu'ils ont très bien joué quand même pendant près de 2 heures et qui ont lâché sur cette dernière main, c'est dommage. Est-ce qu'il est validé ce tir? Oui. Oui. Ah, ils vont mettre des points importants, hein, Nice. Hein, ouais, c'est important de jouer les boules. Hein. Comme on le disait, le goal average peut vraiment avoir son importance. S'ils viennent engranger 4 ou 5 points, Lyon serait en grande difficulté dans ce groupe. Alors c'est serré également entre Joyeuse et Saint-Vulbas avec une très belle boule là pour l'équipe ardéchoise qui est encore toujours dans son match là. Également Fontaine qui s'accroche, mais Aix-les-Bains quand même est bien parti hein, pour l'emporter, la formation de David Martin, la team SB Thermique. Et toujours tranquillement, Sébastien Bollet. Avec les mains dans les poches, mais il est tranquille. Il se garde la main chaude. Oui. Tout simplement. Peut-être, peut-être. En tout cas, il y a déjà un deuxième point pour les Niçois. Donc pour l'instant, score théorique 8-4. Et on attend le score. Hein, toujours d'Annecy. Est-ce que c'est 13-5? On attend la confirmation. Pour le moment, il n'a pas été actualisé, en tout cas par les joueurs. Ouais, ça va être un point supplémentaire. Hein. Qui sur le point supplémentaire, je pense. Et vous voyez la discussion entre Manu Bilon et Eddy Chemarin. On a essayé d'annuler hein, pour au moins d'arrêter le score pour Aix-les-Bains et c'est un petit peu court. On va continuer. Ah non, ah non, si ça y est, c'est terminé. Bon à Jérôme Levieux. Et la victoire d'Aix-les-Bains face au champion de France de la cadette. Très belle performance de l'équipe de David Martin qui peut être satisfait. Bravo à l'équipe de la team SB Thermique qui remporte une victoire, une belle victoire face à Fontaine. La joue encore pour Romain qui est bien joué, qui a réussi. Voilà, 10-4 face pour Aix-les-Bains face à Fontaine et la victoire de Nice. Nice. Alors on va attendre la confirmation du score. Les Niçois. Allez, on va justement parler. Alors, qu'est-ce qui nous... Ça joue encore hein, pour Joyeuse, ouais. Joyeuse. Et... à 5 pour Annecy face à Plaine de l'Ain. Et 10-4 du coup pour Nice. Et 10-4 pour une Nice. Très belle dernière main. Très belle dernière main. Commencer par 4 points et finir par 4 points. Pour les Niçois. C'est pas bon pour toi. Et on est rejoint, on a de la chance par Romain Garcia qui arrive tranquillement. Je ne vous fais pas les présentations. Romain avec Florian que vous connaissez bien. Vous avez eu l'occasion d'évoluer en équipe de France hein, il n'y a pas très longtemps ensemble. Bravo Romain, on s'est régalé avec,
avec Florian Amar à commenter cette partie qui a été avec finalement des temps forts différents. Hein. Chacun a eu ses temps forts. Souvent le cas quand on se rencontre des grandes équipes, on a, c'est compliqué de jouer deux heures à plein. Donc il y a des temps forts, des temps faibles et de chaque côté. Moi j'ai le bonheur de taper le but la première main, sinon c'est peut-être pas la même partie. Après c'est Eddy qui le manque juste après. Nous on en fait quatre et ça nous a permis de rester devant. On a manqué quelques plus de boules, mais eux on en après aussi manqué un peu. Je pense que nous on a été un peu à la hauteur de l'événement de ce soir. J'ai retapé un but important aussi. Alors que j'avais fait deux trois petits trous, ça m'a un peu agacé parce que j'étais bien et j'ai fait des petits trous pas droit là. C'est ce qu'on a dit, que je c'était hyper si. En ligne sur le début de partie et qu'on voyait que tu étais un petit peu agacé. Ça m'a agacé, mais je comprenais. Des fois, tu comprends pas forcément pourquoi. Donc j'ai un peu la tension qui est montée. Je pense que si je manque le but, j'aurais pu avoir des étincelles. Non. Je vieillis et je mûris. Donc. Mais voilà, bien content de l'avoir tapé. On a bien joué. Petit clin d'œil à notre coéquipier Fred qui sera absent, malheureusement pour nous, je pense. Même si on peut croiser les doigts jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Donc voilà. Donc belle partie, bel adversaire. Hein. On sait très bien la qualité du jeu en face. Donc on savait qu'il fallait être impliqué et bien jouer. Même si tu joues bien, tu peux ne pas la gagner. Donc voilà. Belle partie. Ouais. On a vu beaucoup de sérénité dans votre équipe. Avec, vous le disiez, malgré la grave blessure de Fred Asensi, on a vu également un Sébastien Léva-Marcon sur une jambe et demie. Oui. Et sur une jambe et demie, là, il a sorti une énorme partie. Hein. Mais c'est un artiste de toute façon, donc je crois que même il tirait à pied joint, il arriverait à faire du jeu. Donc. Mais de la sérénité, je pense qu'on a l'équipe cette année pour être serein. Après, il faut que tout le monde nous attende vraiment au sommet tout de suite. Il faut que la mayonnaise elle prenne. Sébastien Belay a une jouerie. À sa façon, moi j'ai une jury à ma façon, il faut s'entendre, on a des décisions à prendre qui sont pas faciles et du coup on est encore pas trop souvent d'accord, mais on y arrive, donc je pense qu'il faut que la mayonnaise prenne, c'est normal. Sébastien Belay aussi a très rarement joué pointeur second aussi, donc il faut qu'il trouve du rythme, pointer beaucoup de boules, en tirer une, aujourd'hui il en a tiré deux, tapé deux, qui nous a fait du bien, donc voilà, je pense qu'il faut que la mayonnaise prenne, c'est que la troisième étape, et on a fait une demi-finale à Mâcon, on était sur la continuité du Winter Trophy où on n'a pas trop vu pas la mauvaise entente mais les décisions, et après on a eu des petites parties compliquées un peu à Saint-Milba où on s'est pris un peu la tête sur des décisions faciles à prendre où on a fait des bêtises, ça arrive, et voilà, et là il faut qu'on arrive à voilà, que la mayonnaise elle prenne comme on dit, hein, voilà. Oui, comme tu le dis, il faut prendre ses repères, c'est pas facile, en fait. Moi, je vous ai un peu placé dans mes favoris, j'avoue, parce que vous êtes 4 joueurs de haut niveau et vous avez cette chance d'avoir, même avec Fred, 5 joueurs de haut niveau. Pour moi, vous êtes un peu l'équipe la plus complète, avec des joueurs qui sont capables de tourner. Je m'étais posé la question, est-ce que Seb Léva-Marcon allait tirer avec sa blessure ou pas? Et en fait, il a prouvé que voilà, il arrivait à bien tirer. Toi, tu as fait un super début de partie. Le but, tu frappes la première main ultra important. Derrière, vous faites 4 points. Et après, ça a joué boule à boule. C'était vraiment très beau, du très beau jeu. Puis Lyon a lâché un petit peu sur ces dernières boules. C'est dommage. Et bizarrement, ils ont. Bon, alors c'est pas des jeux. Je pense pas que le 8 c'est un jeu qui joue souvent. Mais ils ont pas dominé au point comme ils dominent peut-être des fois. Un jeu technique, ce jeu 8. Très technique. Attention, on croit qu'il est bien joué. Ils sont bizarres. Après, oui, ils ont lâché un petit peu. Je pense qu'on leur a fait aussi un peu tout pour qu'ils lâchent. Fait qu'on a bien joué. Après on s'est aussi posé la question sur le Seb, on y a tout de suite demain pour rebondir sur Florian. D'entrée on y a Seb Belay, il a posé la question, il a dit non c'est bon je tire, donc après on ne s'est plus posé de questions. Voilà, il a dit ça va, on verra demain. Comme il a bien démarré, pas de raison. Ouais. Après la question qu'on se pose, pas assez souvent mais on va se la poser, c'est que de temps en temps moi je pourrais pointer aussi second. Et Seb Belay pourrait un peu tirer. Mais voilà, aujourd'hui on joue comme ça, on verra comment ça se passe. La blessure de Fred contrarie un peu les plans, parce que justement je pense qu'on aurait fait les deux prochaines étapes où Seb aurait eu un peu plus de temps de tir, moi j'aurais peut-être ou pas moins joué ou pointé second et on aurait vu des choses. Parce que moi je vieillis aussi, donc il faut commencer à penser. Alors faut pas le dire comme ça, de dire je vieillis, c'est surtout que tu pointes très très bien. Ce que je disais tout à l'heure pour des tireurs second, tu fais partie des joueurs qui pointent le mieux, en plus tu fais du combiné aussi, tu as été vice-championne du monde en combiné et tu pointes très très bien, donc c'est aussi un avantage. Je pointe bien, je pense que je pointe bien depuis vraiment 2-3 ans, vraiment. Enfin, plus régulièrement. Et du coup, en plus quand je mets mes boules, j'ai de la sérénité. Donc quand tu as de la sérénité, quand tu vas pointer,
ça fait du bien. Alors de faire des combinés, c'est compliqué parce que le cercle, c'est une prise de tête. Donc du coup, ça apprend à bien jouer. Mais oui, j'ai la qualité de bien pointer. Et des fois, même, je pense que comme on pointe bien, même avec Seb Belé, on a tendance à faire un jeu un peu pépère, alors qu'il faudrait qu'on n'hésite pas des fois à partir un peu à la bataille. C'est pour ça qu'on se cherche encore un peu. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, parce que c'était une très très belle partie. Alors demain, tout simplement, vous serez à 8h du matin face à Annecy, avec, on pourrait dire, bonheur au vainqueur de cette partie, puisqu'Annecy s'est imposé de son côté dans une grosse partie aussi face à Plaine de l'Inde, 12-5. Mais ça a été très serré dans cette rencontre. Quel groupe, hein ? Ah ben là, le groupe, c'est le groupe de la mort, comme on dit, tout en respectant les autres équipes, bien sûr. Mais là, dès la troisième étape, attaquer avec un groupe comme ça, ça sera fait, ouais, comme on dit. Mais bon, après, on se voit, les quatre équipes, je pense, ont le même niveau, avec plus de solutions, plus ou moins, sur des équipes. Nous, je pense qu'on a on a le vrai profil de contre Gobertier, parce qu'on a le même profil. On a trois joueurs qui puissent tourner, qui puissent tirer et tout. Donc voilà, on verra demain matin à 8h, c'est notre partie, c'est notre jour, et il faut dormir assez vite parce que c'est pas facile. Et puis à 8h du matin, c'est toujours un peu particulier. Donc voilà, on va essayer, on va surtout pas se prendre la tête et continuer à essayer d'être serein comme ce qu'on dégage, et ça nous fera que du bien. Ça fera du bien aussi un peu à Manu, la blessure de Fred, d'avoir du temps de jeu, parce que Manu, gentiment, enfin, c'est comme ça, il est comme ça, Manu, il a tendance à laisser jouer les autres. Et là, et là, au moins, ça va lui donner l'opportunité d'avoir du temps de jeu et de trouver peut-être aussi des bons repères pour pouvoir nous permettre à nous de bien qu'il pointe bien devant, et ça va aider l'équipe à aller le plus loin possible à chaque étape. Quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Romain. Merci Romain. Demain matin à 8h, on suivra, nous, en fil rouge de ces deuxième partie de groupe, le duel des promus entre Génicieux et Lannion. On aura un œil évidemment aussi sur le choc entre Nice et Plaine de l'Inde. Regardez le programme pour demain matin avec ce direct entre Génicieux et Lannion, et évidemment ce groupe 4 entre Plaine de l'Inde et Lyon, et entre Annecy et Nice. On vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne nuit Romain. Bon repos également Florian. C'est un plaisir également de commenter avec vous. Grâce Matt pour vous. On vous retrouve demain pour la troisième partie de groupe. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été fidèles ce soir. Merci, bonne soirée. Au revoir.